ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour vous exprimer sur vos histoires intimes, sur ce qui vous pose problème dans vos couples. Souvent, la relation de couple achoppe sur quelque chose qui paraît tout simple, la communication, mais qui, sur le fond comme sur la forme, se révèle un exercice délicat. Délicat parce qu'on s'y dévoile dans notre intimité, justement. Délicat parce qu'on imagine déjà en partie les réponses de l'autre ou parce que tout simplement on part battu d'avance ou on a peur de soi et de l'autre. C'est là qu'intervient le sentiment amoureux, celui qui nous assure qu'à cette personne-là, celle que l'on a choisie, avec laquelle on veut continuer de cheminer, on peut lui confier nos interrogations ou nos difficultés. Avec grand soin, celui que l'on apporte en général aux choses auxquelles nous tenons dans la vie. Des choses fragiles à manier avec délicatesse. Et la délicatesse, c'est léger, tout en retenue. Non pas qu'il faille retenir nos mots, mais surveiller un peu notre langage. Car communiquer, c'est dire, tout en tenant compte de la personne à laquelle on s'adresse. C'est ce que nous faisons aussi dans cette émission, un exercice de communication dans lequel la forme compte certainement autant que le fond. On parle donc ce soir ensemble, on communique au micro d'Europe 1 avec Corentin et Quentin, qui sont là pour vous y accueillir, aussi attentifs l'un que l'autre, sur le fond comme sur la forme. Et c'est Boris Pirédu qui veille au bon déroulement de cette émission. À vous, libre à vous de réagir aussi par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit en majuscule ou nous écrire par mail sur le site europe1.fr. Le 39 21 est là pour vous, profitez-en. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Alfred. Bonsoir Sophie, c'est toujours un énorme bonheur de vous entendre, vraiment. Merci c'est... à vous. J'attends tous les samedis soirs et les dimanches soirs pour vous avoir. Merci, ça me touche beaucoup. Alors, vous voulez nous parler et nous confier en fait hein, vos interrogations sur l'amour. Exactement. Oui. Exactement. Disons que pour entamer mon propos, j'aimerais dire que je voudrais parler de cet amour qui vous fait tant souffrir. Oui. Les deux termes sont antinomiques. Mmh. Amour et souffrance. Ils devraient être au contraire complémentaires. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Selon ma réflexion logique, tient-elle vraiment la route ou pas, je n'en sais rien. Mais l'amour est éphémère. Il va, il revient, il disparaît, il ressurgit pour s'éclipser de nouveau. Et parfois, il disparaît définitivement. Il ressemble un peu, si j'ose la comparaison, à une jolie fleur qui fleurit, puis se fane. Mmh. Un cœur plein d'amour qui évolue. Et puis, il est envahissant. Et dès qu'il est envahissant, on se sent abattu parce qu'on a peur qu'il disparaisse et qu'il nous trahisse. Oui. Finalement, que faut-il pour qu'un amour perdure et va crescendo? Pourquoi ce sentiment fort s'évapore? Et il s'évapore aussi vite qu'il est venu. Cela se laisse supposer, ni entrevoir ou imaginer le déclin assourdissant dans un silence éclatant. Mmh. Et pourtant, rien ne laisse présager son évanouissement. Vaut-il mieux puiser son amour en soi plutôt que de l'attendre d'un autre. Quand on s'insinue dans le cœur de l'autre, dès que son intensité devient envahissante, alors il s'estompe pour disparaître. Oui. Mais parfois, n'y rien comprendre, il réapparaît, sans comprendre davantage son retour. Bah, je suis pas
Alors, je partage en partie votre analyse et j'aimerais, si vous me le permettez, la compléter un petit peu. C'est vrai que je vous suis volontiers sur cette interrogation qu'on a tous parce qu'on l'observe dans nos cœurs et dans nos relations, sur ce côté éphémère. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se sent très amoureux et puis le lendemain ou dans la semaine ou dans le mois, enfin dans la relation, tout d'un coup on se dit mais comment c'est parti ? Voilà, ça a eu l'air de disparaître et puis comme vous dites, hein, très justement, tiens, ça revient. Et alors, peut-être que l'explication ou le secret ou ce mystère tient d'une part, peut-être pas tant que c'est éphémère, c'est que c'est saisonnier, un peu comme les saisons. Et si je reprends mon image des saisons un peu comme un jardin, ben, l'amour c'est quelque chose qui se cultive. Et comment on le cultive ? Ben, on le cultive un peu comme je le disais dans mon introduction, par la communication. Donc quand ça repart, parce que vous dites tiens, ben, c'est étonnant, par moments ça repart et par moments ça s'en va. Si on observe ce qui se passe dans la relation, parce que l'amour reste une relation entre deux personnes, c'est souvent qu'il a pas été suffisamment nourri justement de communication et d'attention et d'intention, un peu tous ces ingrédients, qui font que tout d'un coup, ben, comme vous dites, il s'évapore. Et puis il revient à la faveur d'une communication qui reprend, d'un échange, de quelque chose de vécu ensemble, d'une intention, d'une attention. Donc, ben, c'est tout cet art du jardinage en amour. Et puis, il y a des moments où ben, on n'y met pas l'énergie, où on n'en a plus l'envie. Mais ce qui fait qu'on le fait, ben, c'est justement qu'on est amoureux. Parce que si on ne l'est plus, ben, on ne va plus mettre cette attention et cette énergie. Vous avez employé trois termes qui m'ont beaucoup frappé dans votre introduction. La peur, la fragilité, la délicatesse. Oui. Et je crois, me semble-t-il, que quand l'amour vient, et quand on sent ces quelques palpitations inhabituelles qui commencent à faire boum boum, on prend peur. Oui. Parce qu'on se demande, est-ce que cet éclat apparent va persister ? Ou bien ça n'est qu'un moment de bonheur intense qui va, dans l'instant suivant, se dégrader et produire une tristesse profonde. Oui. Donc, en quelque sorte, les seuls amours, si j'ose dire, qui, d'une certaine façon, sont persistantes dans le temps, c'est l'amour des êtres filiaux. Son père, sa mère, son père, sa frère, ses frères, ses sœurs, ou bien sûr, ce n'est pas du tout de la même intensité, ni de la même nature, mais le fait d'avoir un lien de sang fait que, quoi qu'il se passe, le lien affectueux persiste. Il est toujours là. Oui, mais alors vous avez employé d'ailleurs un très joli mot, vous avez parlé affectueux, donc affection. Dans les liens filiaux, on est dans cet affect, affection, mais on n'est pas dans, et dans la filia, hein, si on reprend les Grecs, enfin l'amitié, et moins dans l'éros, qui est l'aspect un peu passionnel. Mais si on mixe dans une relation l'éros et la filia, et qu'on a dans un couple, ce qui est un peu différent de l'amour, soit familial, enfin fraternel ou avec les parents, c'est cet aspect d'altérité. C'est que l'autre, dans sa différence, vient nous toucher dans quelque chose qui nous dérange, qui nous malmène. Il faut faire avec nos différences. Et ça, c'est très difficile. C'est là qu'on a peur. C'est là qu'on n'accepte pas. C'est là qu'on se dévoile et c'est désagréable. C'est là qu'on se dit, ben non, j'ai pas envie ou ça va pas aller ou ça va pas le faire, comme on dit, parce que on est trop différent, on peut pas s'entendre et qu'on va pas mettre l'effort ou l'intention. Et cet effort-là, on le fait quand on y croit. Et on y croit parce qu'on est attaché, en fait. Oui, mais quand on est attaché, comme vous dites, et qu'on y croit, c'est là que l'autre n'y croit plus. Pas forcément. Et vous dites, il y a tant de différences que donc on ne pourra pas s'entendre. Et vous savez, ce sont les conclusions hâtives qui d'un coup surgissent. Oui, c'est vrai, c'est les conclusions hâtives. On tire un trait avant même d'être allé plus loin sur la découverte de l'autre.
Exactement. C'est vrai. Mais je vous sens assez sombre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Peut-être que vous allez nous en parler un peu. Parce que vous dites, c'est juste au moment où nous, on est d'accord pour faire l'effort, que l'autre dit, non, finalement, je vais pas le faire. Après, je vous donnerai des exemples pratiques. C'est très, très simple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne très agréable, très avantagée en tout point. Elle-même vivait, semblait être particulièrement emportée. Et du jour au lendemain, alors qu'on devait se voir, on devait se rencontrer pour aller dîner, etc., elle décline cette invitation et me dit de ne plus la rappeler. Mais pourquoi ? Oui, non, c'est comme ça, j'ai bien réfléchi et il me semble que ça ne peut pas aller. Je dis, mais qu'est-ce qui ne peut pas aller entre hier et aujourd'hui ? Que s'est-il produit ? Et malheureusement, à ce type de question, vous n'avez jamais de réponse. C'est-à-dire que vous restez dans l'expectative d'une éventuelle réponse qui pourrait au moins vous permettre de, entre guillemets, de vous débattre. Oui, ou de comprendre, au moins de comprendre. Au moins de comprendre. Ouais. Mais il ne se passe rien. Mais c'est très violent. Alors, ça Alfred, vous racontez des histoires qu'on entend souvent dans cette libre antenne, qui sont effectivement, j'avais une relation, puis du jour au lendemain, plus d'images, plus de sons, quoi. Tout s'arrête. Exactement. Et ça... Ou bien le genre de phrase, tu le sais très bien par toi-même. Mais quoi? Non. Oui, ça ne marche pas, ça. Qu'est-ce que je sais par moi-même? Oui, moi. Que l'autre ne dit pas. Moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, de mieux, qui répond plus à mes attentes, et qui répond plus à mes attentes, ou quelque chose dans ce goût-là. Mais pas du jour au lendemain, au revoir, merci, et c'est fini. Alors, il y a peut-être là, dans le témoignage que vous apportez, votre histoire, quelque chose qui rentre en compte peut-être de l'époque, où on se dit que si ça ne marche pas d'emblée, c'est que ça ne peut pas marcher. C'est une espèce de croyance, j'allais dire presque enfantine, enfin immature, de se dire parce que ça n'a pas marché, le sans-effort, ça doit être facile. On est amoureux si ça ne coûte pas, parce que, comme une évidence. Or, ce n'est pas du tout... C'est une évidence dans la rencontre, mais après, y a du boulot quand même. Mais bien évidemment. Mais dès lors que la rencontre... A priori, comme on dit, il y a le feeling, il y a les atomes crochus, il y a tout, et qu'il y a presque l'emportement mutuel. Pourquoi au lendemain, tout cet emportement de la veille s'effondre? Pourquoi? Peut-être aussi, cette femme dont vous parlez était plus attachée à l'idée de l'amour qu'à l'attachement, enfin, à vous, en tout cas, au fait de vous découvrir ou de tracer un bout de route, où elle a tourné casaque, comme on dit, parce que quelque chose lui a fait penser ou comprendre que non, ça n'irait pas pour elle. Mais sans plus aller plus loin dans l'analyse ou la découverte, et sans vous laisser d'ailleurs le temps de pouvoir élaborer quelque chose avec elle. C'est vrai. Et j'ai constaté que plus on est impétueux vis-à-vis de l'autre, plus elle est effrayée et s'en va. C'est-à-dire, vous vous sentez impétueux. Décrivez-moi quand vous dites plus on est impétueux. Vous êtes d'une nature un peu passionnée, vous exprimez beaucoup les choses. C'est quoi être impétueux ? Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que finalement, quand on voit l'autre et qu'elle est gentille, gentil, je vois, pas dans le sens péjoratif du terme, bien au contraire, c'est une bonne personne. Moi, je suis du genre à vouloir tout donner d'un coup. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je vais l'envahir, je vais la couvrir de tout ce qu'elle peut attendre. Ah ben, ça fait peur, ça. Et puis, c'est un peu envahissant, comme vous dites. Voilà, c'est un peu envahissant. Ça laisse aussi le sentiment
qui est difficile pour l'autre de dire mais alors tout repose sur mes épaules parce qu'il attend tout de moi ou son bonheur passe par moi et donc j'en ai la responsabilité. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'endosser et qui n'est pas juste d'ailleurs. Oui, donc on en arrive presque au dicton. Fuis, il te suit. Oui. Suis, il te fuit. Oui, exactement. Et ça, c'est au quand fond, on ne crée pas un équilibre au départ. C'est un peu comme si vous communiquiez en tenant compte trop de vous et pas assez de l'autre. C'est ça aussi l'altérité dans la communication. C'est si vous... Oui, mais il y a aussi un point, me semble-t-il, mm-hmm. c'est que aller vers l'autre, oui, mais alors que vous êtes en plein élan, il vaut mieux marquer un petit temps d'arrêt pour ne pas effrayer l'autre. En somme, ne pas donner trop d'un coup et toujours être dans le frein, finalement. Bah, vous savez, le couple, c'est une danse. Imaginez un couple qui danse. Y a quelque chose dans le rythme, en fait, dans l'échange. Donc si effectivement, imaginez que vous dansiez avec elle et vous guidez tout, vous ne la laissez pas danser, et puis vous la soulevez en l'air, elle ne touche même plus les pieds par terre, et c'est vous qui faites tout, elle n'a plus sa place. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne veut plus danser avec vous. Elle s'en va. Parce que est-ce qu'il est possible, au moins une fois dans l'existence, de vivre en harmonie, en symbiose, en cohérence, sans jamais craindre l'effondrement? C'est ce que dit Elisabeth. Elisabeth dit « Je suis mariée depuis 30 ans. Notre complicité, le respect, l'amour, le dialogue, nous avons des choses communes et chacun a sa passion, bien sûr. Il y a des hauts et des bas, mais comme nous dialoguons et discutons beaucoup, on y arrive. » Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit avec beaucoup d'intention et d'attention, mais en tenant compte aussi de l'autre. Et moi, dans ce que j'entends dans votre témoignage, c'est que vous avez envie d'être amoureux, très passionné, vous mettez tout d'un coup, vous mettez la gomme, non, comme on dit. Non, c'est pas tout à fait juste. Oui, hein, d'accord. C'est pas tout à fait d'accord. juste. Parce que pour moi, tout passe nécessairement par la communication. Et c'est souvent par la communication, ouais. mmh. par l'échange, par ce que je peux dire, qu'elle découvre un être, entre guillemets, supérieur à celui qu'elle imaginait. Oui, ouais, c'est juste. Mmh. Et puis, finalement, le temps passe et ce sont ses côtés qui les emportent, mmh. en quelque sorte. Mais d'un autre côté, puisque vous avez résolu des problèmes, elles se sentent un peu, si j'ose dire, un peu diminuées parce que c'est moi qui ai trouvé des réponses aux questions qu'elles se posaient sans avoir jamais trouvé de réponse. Oui, c'est le sentiment que vous avez. Vous vous dites, j'ai analysé des choses en elle, c'est ça, ou dans... C'est ça. Ouais. Et... Non, pas en elle. Oui. Par rapport à ce qu'elle me tient comme propos. Oui, donc vous lui avez renvoyé en fait une image d'elle, ou en tout cas sa façon à elle de faire, en faisant des liens, hein, en analysant des choses. Et vous dites, elle a pas supporté ça, et c'est pour ça qu'elle a arrêté la relation. C'est votre analyse, vous. Non, c'est pas ça exactement. Non, c'est quoi? Je D'accord. suis peut-être mal exprimé. Non, je vous en prie. Vous savez que des fois, à l'intérieur du monde social, des situations se présentent et la personne concernée se sent mal. Mais elle, étant à l'intérieur du sujet, ne trouve pas de réponse à cette situation. Donc, elle Bien m'en sûr. Parle. Oui, et on cherche à deux, pour tenter de voilà, trouver. Voilà, on échange à deux. Après, elle se sent très épanouie, elle se sent bien. Oui, bien sûr. Ça dure un mois, ça dure deux mois, ça dure six mois. Ça a duré combien de temps, votre relation, d'ailleurs, celle dont vous nous parlez? Six mois, à peu près. Six mois, d'accord. Tout allait bien. Vraiment, pour le meilleur, je ne dis même pas pour le pire, que pour le meilleur. Et vraiment, jusqu'à cet instant, parce que c'est tout à fait chaud ce que je vous dis, jusqu'à cet instant, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, elle a décidé de disparaître de la circulation, couper son téléphone pour ne plus que je ne puisse l'appeler,
Et donc, je n'ai plus de relation, même pas par la communication, ni d'aucune autre façon. Alors, effectivement, non, mais effectivement, là, vous vivez une situation violente où elle n'arrive pas à trouver les mots. Et bon, ça peut aussi se respecter, c'est violent pour vous de dire elle est en fuite en fait, hein, elle se met en fuite sans vous donner d'explication et peut-être dans votre analyse que vous avez un peu voyez été sur son territoire, alors vous avez eu le sentiment de la soulager, peut-être que tout d'un coup vous m'avez l'air d'analyser beaucoup les choses et les êtres et ce qui se passe et sans doute qu'elle s'est sentie un peu envahie par ça et elle mais a fait stop. Ce n'est pas moi qui ce n'est pas moi qui ai posé qui est confié bien sûr c'est ce que j'entends. On m'en a posé. Non, je ne me permettrai pas de faire intrusion dans la vie d'autrui. Ça c'est absolument inacceptable et inadmissible. Mais si on me pose des questions et qu'on me présente des situations, dans ma modeste personne, je tente de réfléchir et essayer de voir là où tout n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Et elle avait bien accepté votre analyse sur Oui, elle était ravie, elle m'a dit « tu es mon oxygène ». Et de cet oxygène, c'est devenu l'étouffoir. Elle l'a dit, ça ? Elle l'a dit ? Non, c'est moi. C'est ce que vous avez compris. C'est ce que je déduis. Donc, je ne sais pas. Ça date de quand, là ? C'est très récent, parce que peut-être... Oui, là, ça date d'une semaine ou deux. Et vous avez essayé de la recontacter, elle est aux abonnés absents. Pas seulement aux abonnés absents, c'est changement de numéro de téléphone. Ouais. Donc en fait, il y a quelque chose qui a été insupportable. Oui, mais sans savoir quoi. Non. Et pour vous, du coup, vous ruminez cette histoire. C'est la première fois que ça vous arrive, une histoire comme ça, ou ça vous... Comme ça, oui. Comme ça. Habituellement, une dame va me dire, il me semble qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, sans jamais me donner vraiment d'explication rationnelle, ni rien. Bon, au moins, je sais que la personne ne veut plus entretenir de relations. C'est son libre choix et je n'insiste pas parce que j'estime que insister serait la mettre dans une position fausse et je ne veux pas. Si elle veut, elle connaît mon numéro de téléphone. Oui. Alors après, effectivement, y a une alchimie qui se passe ou pas, et quelque chose de... Parce que je vous parlais quand même au départ, et je reviens sur ce terme de délicatesse, que vous analysiez, c'est une chose, que vous ayez ce sentiment de voir clair et d'avoir raison et lui faire du bien. Après, hein, dans cette communication, le fond compte autant que la forme. Et c'est là que ça commence à être un exercice super difficile. Parce que on ne sait pas bien comment ça va être reçu. Donc il faut presque gérer sa propre monture. Vous voyez, votre monture à vous, dans votre expression. Réfléchir aux mots, à la forme, à qu'est-ce qu'elle peut entendre, qu'est-ce qu'elle peut ne pas entendre, qu'est-ce qui peut blesser, qu'est-ce qui peut être audible ou pas, en fonction de ce qu'on connaît de la personne. Vous voyez, il y a tout ce travail-là, un peu d'instinct, hein, un peu d'instinct. Vous avez raison, Sophie, vous avez tout à fait raison. Mais là, à ce cas-là, j'en arrive à la question ultime de mon propos. Est-ce qu'on peut être détendu, tranquille, calme et sans retenue dans la relation à l'autre au plan affectif? Oui, quand il y a beaucoup de confiance. C'est peut-être même là qu'il y a beaucoup d'amour. Enfin, amour et confiance. On est détendu quand on sent qu'on peut avoir confiance et se confier à l'autre. Donc quand on sent qu'il sera fait bon usage de ce qu'on confie, et réciproquement, alors non seulement ça nourrit le sentiment amoureux, mais ça donne beaucoup à la fois de légèreté et de force et d'assurance.
Et dans ce cas présent, c'est ce que me disait la personne. Je me sens en pleine confiance avec toi. Oui. Il y a quelque chose, tout d'un coup, qui a décroché chez elle. Voilà. Est-ce qu'elle a pris peur? Est-ce que tout d'un coup, elle a douté? Est-ce qu'elle n'a pas osé vous confier tout ça? Est-ce qu'elle a été bousculée? En tout cas, il y a quasiment un mouvement de panique, hein, de changer de numéro, de partir d'un seul coup comme ça, sans arriver à vous le dire. Il y a quelque chose qui lui appartient là, à elle, et qui n'est pas à vous, manifestement. Vous voyez, peut-être, enfin, à la fois, il y a quelque chose. Parce que, attention, là, dans le questionnement que vous avez aujourd'hui, il est forcément un peu douloureux et difficile. Et c'est pour ça, j'imagine, que vous intellectualisez beaucoup vos propos pour vous protéger de beaucoup trop d'émotions. Et ça vous protège d'intellectualiser. Et souvent, notre cerveau nous aide à moins en ressentir, à être plus dans le mental, un peu pour faire un filtre. Et je pense que c'est ça qui vous arrive, parce que vous avez vécu quelque chose de violent, de blessant. Vous l'aimiez, cette femme, manifestement. Elle vous plaisait beaucoup, en tout cas. Vous aviez envie de vous engager. Tout à fait. Ouais, donc du coup, je lui aurais offert, si je peux dire, la terre au plan affectif comme au plan de la vie de tous les jours. Parce que pour moi, quand j'aime, j'aime. Et voilà. Et c'est tout. À ce moment-là, je ne regarde plus. Il y a peut-être quelque chose là à regarder, justement. Qu'est-ce que ça veut dire j'aime et je ne regarde plus? Aimer, c'est pas prendre 100% de l'autre. C'est on peut aimer non, une personne, c'est mais donner juste... à l'autre. Je vais pas prendre. Mais c'est pas donner. C'est pas donner, Alfred. C'est accueillir. Justement, alors c'est là tout l'enjeu, parce que donner, et je me souviens l'avoir dit un soir à un auditeur, c'est un peu comme si vous arrivez avec un immense cadeau au milieu du salon à quelqu'un qui vous a rien demandé, vous le posez là, il sait plus quoi en faire. Donc c'est bien gentil, votre grand amour que vous amenez comme ça avec un gros ruban au milieu de la pièce, mais c'est pas ce qu'elle vous demande. Ce que la personne demande et ce qui rend le sentiment amoureux très fort, c'est ce sentiment d'être accueilli. Et donc vous, c'est pas donner, c'est accueillir l'autre, lui faire une place. Parce que donner, c'est facile. Donner, moi, non mais voyez, donner, j'allais dire entre guillemets, c'est facile, c'est venir chez l'autre avec ce gros cadeau. Bon, et dire, tiens, il te plaît mon cadeau, tu le prends, t'as vu tout ce que je fais pour toi. C'est un peu un piège. Alors que accueillir, c'est accueillir chez soi, c'est faire une place, c'est bouger des choses, c'est symboliquement changer des meubles, c'est faire un peu de travail sur soi. Oui. Je le fais aussi. Ouais. Bah écoutez, si vous avez ce sentiment, mais vous voyez bien que là, dans l'échange qu'on a, et c'est la raison pour laquelle vous intellectualisez énormément, il y a énormément d'émotions, vous êtes très touchés, hein, encore une fois, on peut le comprendre, mais il y a quelque chose aussi à comprendre de tout ce qui vous bouscule, et qui pourrait vous aider pour les prochaines histoires, en tout cas. Et puis je vais vous laisser avec quelques messages en fait d'auditeurs. Alors il y a Marie, hein, qui aimerait prolonger la discussion avec vous. On vous donnera son numéro hors antenne. Et puis il y a également alors je cherche, parce qu'effectivement quelquefois ça m'arrive de louper la ligne d'SMS tellement il y en a. Il y a Petit Prince qui dit l'amour de l'autre se nourrit de notre investissement et de notre foi en l'autre. Et ça revient finalement dans ce que dit Petit Prince, mais on revient toujours à cette notion d'accueil, en fait. Et puis, il y a Lima qui dit on peut aimer plein de monde, le problème c'est qu'on ne peut pas tomber amoureux de n'importe qui, et c'est d'entretenir cette flamme amoureuse. Ça, effectivement, c'est là où le travail, entre guillemets, commence. Il y a Libellule qui, et c'est très joli, elle cite effectivement le Petit Prince. Elle y pensait au renard du Petit Prince qui lui explique qu'il a besoin d'être apprivoisé. Et effectivement, très jolie référence. Peut-être, une auditrice dit, peut-être que vous êtes trop volontariste. Et c'est peut-être ça qui donne ce sentiment à l'autre d'être étouffé. Il y a beaucoup de volonté chez vous. Et, oui, la volonté de faire plaisir. Ouais. La volonté de faire plaisir. Mais oui, mais on fait plaisir. Vous voyez, mais vous vous faites plaisir en faisant plaisir. Il y a aussi une image de soi. Non,
Non, parce que précisément, pour faire plaisir, j'attends de savoir lequel type de plaisir l'autre aurait attendu. D'accord. Donc ce n'est pas un pro... Je fais pas... Mais c'est encombrant, Alfred. Je comprends. Mais quelqu'un qui veut vous faire plaisir, on ne sait pas trop quoi en faire. Et quoi, c'est même un peu encombrant. C'est plus être là, finalement. Quand je parle d'accueil, c'est plus une histoire de présence. Et on revient au renard du petit prince, à être apprivoisé, en fait. C'est être là pour l'autre, être accueilli, et pas trop en faire. Mais c'est vrai que c'est assez masculin de chercher des solutions, de vouloir faire des choses. Quelquefois, voilà, c'est juste être là, être dans l'accueil. En tout cas, merci. Oui, Alfred. Juste une petite chose, et je vous en laisserai tranquille. Ce qu'il y a, c'est que finalement, on ne peut jamais être détendu dans son élan amoureux à l'autre. Parce qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais préjuger d'un éventuel évanouissement de cet amour que vous croyez réellement sincère et fort de la part de l'autre. Non, on ne peut pas présager quand on n'a pas construit quelque chose de solide ensemble. Même si vous construisez quelque chose de solide, il suffit d'un petit rien et tout s'effondre. C'est votre croyance. Mais voyez, il y avait le message tout à l'heure d'Isabelle. Il y a quelque chose, en fait, quand on se sent en confiance et engagé, on peut avoir confiance dans le fait que même si à un moment donné on a une difficulté et que le couple est en danger, on sait pouvoir compter l'un sur l'autre pour faire en sorte qu'on a envie que ça tienne, quoi. Donc il y a des couples qui durent et on les voit. Il y a des histoires. Donc moi je vous souhaite, Alfred, de vous remettre de cette histoire, bien sûr très très douloureuse pour vous, et qu'elle soit une occasion pour vous de comprendre et d'avancer et de faire ce travail sur soi continuel, en fait, pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir appelé, Alfred. Merci à vous. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters, 39-21. 50 centimes la minute plus coût de la peine. Sapin éteint, les boules tombent et cassent au son des peaux. Les parents dorment indifférents. J'ai froid, j'ai peur, je pleure, je suis seul. Il n'y a pas de soleil dans mon hiver. Le rouge n'a rien pour moi. Pas de cadeau dans le sac à dos. La marronge passe pas. Chez personne, je n'existe pas. Le rouge devient le bas. Et se moque de gens comme moi.
C'était Michel Polnareff sur Europe 1, l'homme rouge. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et pour filer la métaphore, il y a Libellule qui nous dit « L'amour, c'est comme une maison, il faut construire les fondations pour que la maison ne s'effondre pas. » Vous êtes là, Marilyn ? Oui, je suis là. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir. Donc voilà, moi je vous appelle parce que bon, donc j'ai 50 ans et ça fait, depuis un an, on s'était séparés avec mon ex-mari, donc en août 2014. Et puis, lui, il voulait aller vivre dans la région, dans le sud, là où il y a sa fille et ses petits-enfants. Bon, moi je suis quand même obligée de remarquer une chose, si vous voulez, c'est que. Comme par hasard, il disait toujours que ça lui manquait, mais il s'est séparé de moi quand même quand je gagnais moins. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais un 13e mois, quand je gagnais, j'avais un salaire, Et puis, il restait avec moi. Puis depuis, après, je suis en invalidité, depuis 2013, 2014 plutôt. Donc, et comme par hasard, je me suis obligée quand même de constater ça. Hein. Mm-hmm. Alors, comme il n'était pas parti pour une autre femme, parce que ça, mon amour propre ne l'aurait pas supporté, on est resté en bon terme. Par contre, pourquoi je vous ai appelé, en fait, parce que c'est par rapport à des histoires, en fait, que ça, là on se parle plus depuis le début de l'année, l'année 2016, parce que en fait je me suis aperçue d'une chose, si vous voulez, sur Facebook il avait fondé un groupe il y a quelques années, depuis qu'on avait Internet, on s'entendait moins bien parce que depuis qu'il y avait Internet, parce que lui, le problème qu'il y avait, c'est qu'il donnait toujours raison aux autres. Il voulait toujours, parce qu'il avait fondé un groupe, et puis alors ça marchait bien. Un groupe autour d'une passion commune, d'un intérêt, un groupe d'information. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est populaire, donc ça lui prenait beaucoup. Autant vous dire, depuis Internet, vous étiez beaucoup chacun sur les réseaux, C'est ça? Oui, non. Mais ça dépend. Moi, je mettais beaucoup, moins. Par exemple, d'accord. Moi, des photos de chats, surtout. Moi, c'est surtout ça. On a commencé à moins bien s'entendre, c'était que moi, je supportais pas lui, parce qu'il donnait plus raison. En fait, il voulait pas choquer ses amis, par exemple, ses amis du groupe, par rapport à moi, et il faisait moins attention à mon avis à moi qu'à ceux des autres. Quand vous discutiez ensemble, faisiez pas attention à votre avis, Admettons, par exemple, si moi j'avais un avis sur une question, par exemple, et puis que je polémiquais, par exemple, ça pouvait m'arriver, sur le site, sur la page, d'accord. Même sans, parce que moi j'étais pas insultante, tu m'as insulté personne. Mais donc, lui, il allait leur donner raison à eux, en discutant avec moi, mais il leur donnait raison à eux, Mais là, dernièrement, là où ça a été plus loin, c'est que. En fait, il y avait c'était une amie commune au départ, mais il l'avait nommée administratrice du groupe. Bon, au départ, moi, ça me posait pas de problème. Mais là où ça, je l'avais enlevée de mes amis, par contre, elle, parce que je m'étais aperçue qu'elle avait un python chez elle. Et moi, l'année dernière, j'ai appris qu'il y a des gens, je crois pas qu'elle le fait, mais qu'il y a des gens qui donnent à manger des chatons à leur python. Et justement, je suis en train actuellement d'essayer de faire condamner des gens, qui n'ont rien à voir avec elle, de faire condamner par la justice pour ça, Mais bon, et moi, je sais pas, je condamnais ça. Je mettais souvent des statuts. Alors elle s'était vexée parce que moi, elle avait un python chez elle. Elle dit oui, moi je fais pas ça et tout. Ben, moi, de toute façon, je savais même pas qu'elle avait un python. Mais même si j'avais su, moi c'était mon avis. Donc j'allais pas, me priver de donner mon avis sur quelque chose qui est monstrueux.
pour ne pas, parce que elle, bon, même si elle le fait pas, ben, elle trouve. Marilyn, je me permets juste de vous arrêter parce que vous savez, dans cette émission, les auditeurs réagissent en direct et on a pas mal de SMS. Et donc, j'ai plusieurs auditeurs qui me disent que vous avez appelé Caroline en tout début de semaine, là. Voilà, que vous avez déjà échangé sur cette histoire de Python, de réseau social. Oui. Et pourquoi je vous ai appelé? Oui. C'est parce que bon, c'est elle qui m'a dit oh, ouais, mais moi je connais pas trop les réseaux sociaux. Alors, ah bon? Ah, d'accord. Et elle vous a dit d'appeler trop. Sophie. Elle aime pas Facebook. Enfin, en oui, elle pas trop. D'accord, ok. Et en fait, alors quel était du coup votre conseil? D'accord, donc je comprends mieux pourquoi vous appelez ce soir. D'accord, pas rappelé une autre je comprends. Fois, mais... D'accord, non, mais comme ça au moins les auditeurs comprennent. D'accord. Et alors, c'est quoi votre question justement par rapport aux réseaux sociaux? Ben c'est, comment peut-on après 27 ans de vie ne plus se parler, parce que là on se parle plus. Moi j'ai retrouvé, vous savez, des CD, deux CD de photos qui étaient à lui, qui avait envoyé sa fille, mais il y a quelques années. Bon, quand il est parti l'année dernière, il est parti comme ça, il l'a pas emmené. Bon, j'ai pas pensé, mais l'autre jour, j'ai retrouvé ça tout à fait par hasard. J'ai dit tiens, mon idée c'était de lui renvoyer, mais comme après il y avait cette histoire là que elle m'a blacklisté. En tant qu'administratrice du groupe, elle m'a blacklisté. Elle est administratrice avec lui, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais bon, à ce moment-là, j'ai dit c'est pas normal. Elle voit même pas ce qu'elle fait. Elle voit pas ce que je fais. C'est pas normal. C'est d'ailleurs de la lâcheté de blacklister, parce que ça veut dire quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, moi je blackliste personne. Vous savez, on peut supporter, même éventuellement polémiquer, même sans, mais c'est tout. Oui. Mais sans aller jusque-là, parce que là, c'est vraiment pour se masquer. Enfin, moi, je sais pas, mais bon, c'est pas Et très du coup, honnête, vous êtes furieuse, en fait, là. Ben, je suis furieuse. Bah oui, vous êtes furieuse. Je suis furieuse, parce que moi, je me dis, moi, du coup, j'y vais plus, mais quand même, étant dans le groupe, je me dis quand même, moi, il a même pas. Je suis furieuse. Pourquoi? Parce que, au bout de 27 ans de vie commune. Il vous a pas défendu. Qu'il a pas, il a trouvé normal que, enfin, il a pas voulu. Que, moi, je lui dis décédé, je compte peut-être les renvoyer, mais je dis moi, je veux du bon en Marilyn, Marilyn, en même temps, ben, vous êtes quand même séparés. Enfin, voyez, c'est plus d'accord, votre mari. Mais c'est pas une question. Oui, d'accord, non, mais j'entends bien. Le ce qui se passe en fait, c'est que vous savez pas quelle relation, alors cette fois-ci non virtuelle, il a avec cette personne-là. Non, donc c'est pas ça la question. Oui, c'est alors. Pas ça, la question du coup, parce que bon, la question maintenant, de toute façon, maintenant on est séparés, mais même c'est pas ça, je pense même pas. Il y a rien, de toute façon, non, je pense pas que c'est ça. Il n'y avait pas cette polémique là, il n'y avait pas ce doute là, du moins. Il y avait simplement que bon, lui, il est incapable de lui dire à elle, bon, écoute, sois sérieuse quand même. Quand on administre un groupe, on blackliste pas les gens qui sont dans le groupe. Oui, mais vous c'est y pouvez, oui, mais vous voyez bien que dans tout ce que vous racontez, Marilyn, qu'est-ce que vous pouvez y faire, vous? Rien, ben, non, moi, rien, moi, non, mais moi, juste rien. Juste vous énerver, en fait. Juste vous énerver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... voilà pourquoi je voulais vous poser cette question. Parce que comme... pareil, vous aimez... Enfin, vous connaissez bien tout ça, les réseaux sociaux, alors... Bon, moi, je m'en détache un peu en ce moment, parce que j'en ai franchement marre, des réseaux sociaux, enfin, je veux dire. Mais je veux dire, voilà, quoi. Parce que c'est quand même pas normal. Au bout de 27 ans de Mais quelle est votre question? D'accord. C'est des choses, il y a quelques mois... Non, mais c'est pas ça votre question, c'est confus, parce que vous parlez à la fois de votre ex-mari et de l'histoire de réseaux sociaux, vous dites, c'est quoi en fait votre question? Oui, vous êtes furieuse contre quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien, ça vous met très en colère, et ça vous frustre. Ça, jusque-là, on comprend. Mais ce qu'on... Après, je ne vois pas quelle est la question que vous posez sur laquelle je peux vous aider, à part mettre des mots sur ce que vous ressentez. De toute façon, je vais vous dire une chose, moi, pour moi, c'est simple. Moi, je ne cède pas. Donc, alors, soit s'il veut se céder, hein, s'il tient plus quand même à décéder, je sais pas, de la naissance de sa petite fille, bon, que je sais pas, moi, n'importe qui d'Internet, je sais pas, enfin, c'est de faire ce que je lui dis, quoi, parce que quand même, ça paraît logique, hein, aussi. Oui, et bah, raison, et bah, ok, vous bah, faites.
Eh bien, écoutez, Marilyn, si vous voulez ne pas lui rendre ses CD, faites-en à votre guise, mais voyez bien que vous êtes furieuse parce que, effectivement, sur les réseaux sociaux, on est dans quelque chose de virtuel qui n'est quand même pas la vraie vie. Donc, il arrive des choses excessivement violentes. Je pense que vous avez entendu parler des jeunes adolescents qui se suicident, hein, des gamins entre 10 et 12 ans, parce qu'il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a donc des choses très graves qui se passe au niveau des adolescents et des enfants sur l'image qui est renvoyée, prenez un peu de distance et de recul là-dessus, parce que sinon vous vous pourrissez la vie. Hein. Et y a de quoi cela. Donc c'est très intéressant pour échanger des choses, échanger des informations, garder du lien avec des gens qu'on ne verrait pas, dont on est ravi de voir, c'est sympa, un tel part en vacances, un tel fait ça, voilà, et on n'a pas besoin de s'appeler et de se voir tous les quatre matins. Il y a du bon, mais il y a aussi du pas bon. Et donc c'est aussi à nous, la technologie, elle peut être formidable pour nous arranger, nous aider dans la vie, mais si on se laisse bouffer par la technologie et manipuler par la technologie, c'est la fin, on n'est plus des êtres humains. Exercer. C'est ce que lui fait. Mais alors vous aussi, d'une certaine manière, quand vous êtes. Mais quand vous êtes, voyez, dans votre histoire de colère, lâchez ça. Voyez, comme dit Olivier le patrouilleur, vous en avez marre de Facebook, mais vous continuez à être dedans, peut-être débranché. Peut-être que là, l'idée, c'est de débrancher, en fait. Et Cathy de Lyon qui dit, il faudrait que Marilyn comprenne que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est juste un endroit d'échanges divers et variés. Et trop souvent, les personnes font l'amalgame au risque d'y laisser des plumes. Et je suis assez d'accord avec Cathy. Il y a une distance à avoir. Il y a une vraie différence. Et peut-être, c'est là où, vous voyez, c'est pas, après, on prend les choses contre soi, on prend les choses très à cœur, parce qu'en plus, ce sont des liens virtuels, donc on peut tout imaginer, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Donc, ça nous impose un peu d'être grand, de prendre de la distance, de les utiliser, mais de pas les laisser nous utiliser. Et donc, de prendre un peu votre distance, en fait. De toute façon, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une petite chatte. Moi, je vis pour elle, vous voyez. Alors, on va vous laisser, Marilyn, câliner votre chatte. Oui. À loisir, c'est mieux que les écrans de Facebook. Et voilà. Et je vous souhaite de débrancher un peu, de faire une détox Facebook, là, dans les jours et les semaines qui viennent. Bon courage à vous, Marilyn. Bon courage. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Coco. Bonsoir. Bienvenue. Quand je vous présente tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Moi aussi, Coco. On est encore dans les temps. Voilà, je venais un petit peu vers vous parce que j'arrive pas à trouver la solution à mon problème. La question est de savoir ce qu'il faut que je fasse, déménager ou pas. Oui. Voilà, mon mari est décédé il y a 4 ans, oui. Très brutalement. J'avais déjà perdu, nous avions perdu un fils il y a une vingtaine d'années. Notre fille vit dans la région parisienne, oui. Où elle a construit sa petite famille. Elle a des enfants qui ont eux-mêmes... ma petite fille a elle-même maintenant un petit garçon, donc je suis arrière-grand-mère. Oui. Voilà. Et vous êtes donc loin de la région parisienne de votre fille. Oui. 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 Mmh. Et puis, j'y vais à peu près tous les 3 mois. Mmh. Mais quand... Mais je ne me sens pas bien. Je ne m'y sens pas bien là-haut. Je suis pas de là-haut, je suis du Midi. Oui. Et pourtant, ma santé est tellement, tellement précaire parce que je suis handicapée à 80% à cause d'un vaccin. Mmh. J'arrive à peine à marcher. Mmh. Et puis maintenant, chaque fois qu'il se pose un problème, parce que cette maladie a des répercussions. Oui. Elle évolue. Elle évolue, malheureusement. Oui. Alors souvent, on se disait avec mon grand amour, parce que avons eu la chance de vivre un très très grand amour. Ah, c'est bien, c'est une belle réponse à Alfred en début d'émission, Coco. Oui, je l'entendais et je l'avais repéré, j'avais 15 ans. Oui. Et puis on s'est rencontrés l'année d'après
Donc, voyez, en 66, ça remonte à loin, marié en 67. Mmh. Et depuis, nous avions vécu vraiment... il y a eu des hauts débats parce que, pour ma part, tout au moins, j'ai eu beaucoup de drames dans ma vie avec le mot abandon en filigrane. Et ça n'a pas été simple du tout. Oui, puis vous avez perdu un fils ensemble. Hein. C'est terrible, dans un couple. Mais on se disait toujours, en se regardant dans les yeux, en se tenant les mains, on se disait, ben, tant qu'on sera tous les deux, on y arrivera toujours. Oui, il y avait la foi. C'est très beau ce que vous dites, Coco, parce que c'était un peu le propos que je tenais à Alfred quand je disais ça marche. C'est que vous aviez foi l'un dans l'autre, une vraie confiance. Oui. Complètement. Ça, alors là... on se le répétait très très souvent que c'était vraiment moi je suis thérapeute de couple, enfin j'étais thérapeute de couple, c'est formidable, et sophrologue, donc c'est ce qui m'aide un petit peu à tenir la route aujourd'hui. Vous continuez à exercer toujours, Coco? Non, je ne peux plus. Oui, c'est trop fatigant. J'ai essayé de faire quelques consultations, mais j'ai beaucoup de mal à tenir assise longtemps. Ah, donc, ça vous fatigue. Oui, et puis tout, sur le plan cognitif, ce n'est pas simple non plus. Oui, je comprends. Donc, j'ai préféré pour... Ne pas craindre de porter préjudice à mes patients, de ne pas être à la hauteur. Donc, j'ai préféré m'arrêter. C'est pas la peine de continuer. Ça me manque énormément. Parce que c'était un métier auquel je tenais énormément. Et garder quelques patients, vous voyez Non, j'ai pas gardé mon cabinet. J'avais un poste à l'hôpital et j'ai dû arrêter le groupe de travail souhaitait mettre quelqu'un d'autre à ma place. On va dire résumer ça comme ça. Juste après le décès de mon fils en 90, et j'ai dû faire face à ça aussi pendant 4 ans. Oula, c'était énorme, énorme. Je suis partie parce que j'étais en train de faire un burn-out et que je sentais que ma vie était gravement en danger. Et qu'il fallait du temps pour panser la blessure. Il fallait que j'arrête tout. Ouais. Et surtout, mon mari venait d'être à la retraite, lui. Parce qu'il avait la chance d'avoir un métier qui lui permettait d'être à la retraite assez tôt. Puis il avait 10 ans de plus que moi. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, à quoi bon travailler? À quoi bon gagner de l'argent si c'est pour... je préfère passer des heures avec lui, des jours, faire des voyages, qu'on profite de la vie tous les deux. Oui, partager, vous avez raison, c'est important. Oui, oui. Vous avez quel âge, Coco? 66 ans. 66 ans. Voilà, et donc là maintenant, je me retrouve, selon l'expression « gros gens comme devant », à me poser la question parce que j'ai mon mari et mon fils qui sont dans la même tombe et je n'arrive pas à imaginer les laisser derrière moi. Donc ils sont là où vous habitez aujourd'hui. Et en fait, dans cette question du déménagement que vous vous posez, vous diriez que c'est cet élément-là qui vous retient le plus? Le plus, oui. Oui, c'est cet élément-là, de rester près d'eux. Tout en vous disant, et en sachant que ça ferait du bien à la fois à votre santé, à votre morale, d'aller dans le midi. De rester dans le midi. De rester dans le midi, pardon. Oui. Ouais. Plutôt que d'aller près de votre fille. Oui. Ouais. Parce que c'est elle qui vous propose aussi de la rejoindre. Oui. Qui s'inquiète pour vous, Oui, elle est très inquiète pour moi, Et elle a envie de vous avoir près d'elle. Oui. D'accord. Autant ma fille, mes petits-enfants, effectivement, ils souhaiteraient que je sois là-haut. Mais ils ont leur vie aussi, quelque part. Et moi, je vais laisser le soleil, mes amis, mes habitudes, mon mari, mon fils. En fait, pour les voir une fois de temps en temps, sans doute quand ils seront certainement présents, mais en même temps ils ont leur vie. C'est vrai. Ça, jamais je me permettrai de pouvoir peser sur leur vie de quelque façon que ce soit.
Mais bon, ben voilà, la question se pose là. Et ce serait pour avoir un logement à côté de votre fille, en fait, hein, c'est ça. Mais il faudrait que je vende ici, acheter là-haut. Vous savez, Coco, on va rester ensemble. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais on ne se quitte pas, on se quitte quelques minutes pour le journal. Voilà, vous reconnaissez l'indicatif. Et on se retrouve juste après pour justement essayer de démêler les fils ensemble de cette merci histoire beaucoup. De déménagement. À tout de suite, à tout de suite, Coco. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Le journal Loïc Loury. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. L'est des États-Unis disparaît sous la neige. La tempête Jonas continue de s'abattre sur la zone la plus densément peuplée du pays. Nous serons en ligne dans un instant avec notre correspondante à New York. 2000 personnes rassemblées aujourd'hui à Calais. Elles ont réclamé de meilleures conditions d'accueil dans la jungle où vivent près de 4000 réfugiés. Reportage dans ce journal. Et puis la France monte en puissance à l'Euro de handball disputé en Pologne. Superbe victoire 32-24 contre l'un de ses ennemis intimes. La Croatie. Europe 1. Et on prend donc la route des États-Unis, l'est des États-Unis précisément, où la neige est en train de tout recouvrir. Depuis près de 24 heures, elle tombe sans arrêt et la tempête Jonas ne devrait se calmer que dimanche. Géraldine Vosner, on vous retrouve en direct de New York, frappée de plein fouet après Washington par cette perturbation. On peut même dire que c'est bien pire qu'annoncé, Géraldine. Oui, on s'attendait à des chutes de neige modérées, mais à l'heure où je vous parle, 55 cm recouvrent déjà Manhattan et ça continue de tomber à un rythme soutenu, 3-5 cm par heure. Le maire de New York vient de le confirmer, on pourrait bien cette nuit briser un nouveau record. Dans l'urgence, il a dû prendre des mesures drastiques. La ville est totalement coupée du monde ce soir. Broadway a éteint ses lumières, les spectacles sont annulés, les tunnels, les ponts, les aéroports sont fermés et les routes interdites à la circulation, elles sont impraticables de toute façon. La nuit s'annonce particulièrement difficile à mesure que les vents se renforcent. La neige risque de geler sur les fils électriques et surtout, on craint des inondations. C'est la pleine lune ce soir, la marée va bientôt arriver et sur les côtes, maintenant, les secours sont tous mobilisés. La tempête devrait se prolonger jusqu'à demain matin. À Washington, les vents sont toujours violents ce soir, il y est déjà tombé près de 60 cm. 1 mètre enregistré dans le Maryland. Il faudra des jours probablement pour récupérer. Et merci Géraldine Vosner, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis à New York, en direct avec nous la tempête Jonas qui a déjà fait au moins 13 victimes. En France, à présent, l'épilogue sanglant d'une triste affaire de voisinage en Ardèche entre Saint-Étienne et Valence. Hier, un sexagénaire avait mortellement blessé un jeune agriculteur par balle à Payarès avant de prendre la fuite. Mathieu Bock, cet homme a été retrouvé mort à quelques centaines de mètres à peine des lieux du drame. Oui, l'homme a été retrouvé vers 17h après s'être donné la mort dans un cabanon au fond du jardin d'une résidence secondaire inhabitée. Il s'est suicidé à 600 mètres du lieu où la veille, une violente dispute l'avait opposé à son voisin, un éleveur bovin de 28 ans. Les deux hommes avaient un différend de voisinage qui traînait depuis plusieurs années déjà. Le maçon à la retraite de 67 ans aurait tiré un coup de fusil blessant mortellement ce père d'une fillette de 3 ans et c'est dans la soirée de vendredi que le jeune homme a succombé à ses blessures. C'est le meurtrier présumé lui-même qui a indiqué par téléphone aux gendarmes que le drame venait de se produire avant de prendre la fuite dans cette région de moyenne montagne qu'il connaissait par cœur. Il aurait parlé à plusieurs reprises aux enquêteurs qui ont tenté de le convaincre de se rendre sans succès. Et précision signée Mathieu Bock. Des centaines de milliers d'euros de montres ont été dérobées en fin de matinée dans une bijouterie de la capitale. Deux hommes munis d'une arme de poing ont profité d'une cliente pour s'introduire dans la boutique rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. Personne n'a été blessé. À Nantes, un millier de personnes étaient réunies aujourd'hui dans le centre-ville pour protester contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Lundi, en effet, 11 familles et 4 agriculteurs historiques installés sur le site controversé seront fixés sur leur éventuelle expulsion. Procédure cruciale pour le futur aéroport du Grand Ouest. Dans le même temps, le président de la région, Les Républicains, était sur place pour dénoncer une opération de vendetta, réaction après les dégradations subies par une maison qui appartenait à un couple qui avait porté une pétition réclamant l'évacuation du site. On va les aider, on va relayer la pétition pour dire à tous ceux des habitants de nos 5 départements de la région des Pays de la Loire, il faut les aider, on refuse cet état de violence, on refuse qu'il y ait des territoires perdus de la République. Est-ce qu'on tolère, parce que si demain la ZAD n'est pas évacuée, la ZAD s'enquistera définitivement. Ça deviendra la base arrière
de multiples guérillas partout sur le territoire français. L'état de droit, ça doit être valable partout en France. Et moi j'attends du président de la République qu'il réaffirme solennellement l'autorité de l'État. Est-ce qu'on laisse faire ces ultra-violents ? Le mot ultra-violent, c'est M. Manuel Valls qui l'a pour la première fois utilisé. Je le réemploie devant vous. Ça suffit, j'attends que l'État prenne ses responsabilités, réaffirme l'autorité, que l'État soit du côté des citoyens, pas du côté des délinquants. La réaction de Bruno Retailleau, le président du Conseil régional des Pays de la Loire. À minuit et 5 minutes sur Europe 1, direction Calais, dans le nord de la France. Calais, où plusieurs dizaines de migrants ont été évacués ce soir d'un ferry où ils étaient parvenus à s'introduire. L'événement s'est produit suite à une manifestation en faveur des réfugiés de Calais pour de meilleures conditions d'accueil dans le camp de la jungle. Kevin Tully, on vous retrouve sur place pour Europe 1. 2000 personnes ont défilé sans incident majeur, mais dans une grande tension, Kevin. Effectivement, beaucoup de tensions, notamment entre les manifestants et certains Calaisiens. Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé par la police pour avoir braqué son fusil sur certains migrants. Des jets de pierre ont également été lancés sur la police. Une tension due aux conditions de vie dans la jungle de Calais pour cet Érythréen. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils partagent à longueur de journée dans la boue. Ils sont en train de braver des intempéries de toutes sortes. Vraiment, ça fait honte. Les manifestants brandissent des affiches. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes humains. Brahim, algérien de 32 ans, réclame plus de considération de la part des autorités. C'est important pour la visibilité, pour dire voilà, on parle de la valeur. La France, c'est un pays libre et tout, alors qu'il n'y a rien dit. Tout c'est des mensonges. Et venus de Belgique, d'Angleterre ou encore d'Allemagne, les manifestants ont été rejoints spontanément par certains Calaisiens comme Dominique. Elle ne supporte plus de voir les migrants dans la jungle. Je trouve qu'on leur doit le respect à ces personnes. Et ils sont bloqués à la frontière par une frontière de 4 mètres de haut avec des barbelés qui leur coupent la main jusqu'à l'os. C'est une honte. Et la manifestation s'est finalement terminée dans le calme, en plein centre-ville de Calais, où les attendaient quelques personnalités comme l'actrice Yolande Moreau. Kevin Tully, l'un de nos correspondants dans le nord de la France. À Rennes, plusieurs centaines de personnes ont défilé cet après-midi à l'appel d'organisations de gauche et d'extrême gauche contre l'état d'urgence en vigueur depuis les attaques de novembre. Dans le même temps, Manuel Valls a défendu la prolongation de ce régime d'exception, un moyen selon lui de mobiliser le peuple français. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une séance de dédicace à Ivry dans l'Essonne. À Nice, deux fillettes de maternelle ont été légèrement blessées hier par des tirs de plomb dans leur cours de récréation. Jacques Terrance, ces tirs seraient venus de l'extérieur, mais on ne sait toujours pas qui en est l'auteur. Le ou les auteurs, car à ce stade de l'enquête, rien n'a encore été formellement établi. Plusieurs pistes sont d'ailleurs possibles quant au profil de ce tireur. Il peut s'agir d'un déséquilibré. Ce pourrait être aussi quelqu'un qui avait une idée précise derrière la tête. Et puis l'hypothèse d'un jeu qui aurait dérapé entre un groupe de plusieurs jeunes est également évoquée. En tout cas, ce soir, aucun suspect n'a été arrêté. On sait que 16 plombs ont été retrouvés dans et aux abords de l'école. Mais les enquêteurs ont encore du mal à comprendre d'où exactement ils ont été tirés, explique le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre. Ce sont des tirs vraisemblablement depuis un point éloigné, peut-être des immeubles qui se trouvent en face, ou en tout cas d'un point qui se trouve en face de cette école, à une distance importante. Or, c'est un tir qui est fait avec une arme vraiment de tout petit calibre. On a une imprécision du tir telle que c'est difficile de pouvoir véritablement identifier scientifiquement, je dirais, un point de départ de tir. Les enquêteurs comptent désormais sur la population pour en savoir plus au travers des enquêtes de voisinage. D'ailleurs, les habitants de ce quartier populaire sont très affectés et se montrent très coopératifs. Les policiers comptent beaucoup sur les rumeurs qui pourraient remonter jusqu'à eux si le tireur se vante, par exemple, de son geste dans les prochains jours. Jacques Terrance, le correspondant d'Europe 1 à Nice. À Paris, entre 100 et 200 personnes ont manifesté ce matin place de la Bastille pour demander à François Hollande la grâce de Jacqueline Sauvage. Cette femme de 66 ans a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari après des années d'enfer conjugal, d'abus sexuels sur elle et sur ses enfants. Jacqueline Sauvage s'est défendue pour vivre, c'est ce que nous a dit l'une de ses avocates, Janine Bonadjunta. Grâce et liberté pour Jacqueline Sauvage.
Jacqueline est très heureuse en fait de voir qu'il y ait toute cette mobilisation pour elle. Et en fait, elle a plein d'espoir, elle est très dynamique, elle est devenue extrêmement volubile, ce qu'elle n'était pas. Toutes ces marques d'affection, de solidarité, la tiennent, la soutiennent et lui font voir vraiment l'avenir. D'autant que c'est une femme qui a toujours vécu dans l'isolement le plus total. Et effectivement, dans le fait qu'elle ne pouvait pas parler, qu'elle ne pouvait pas s'exprimer, son mari l'en empêchait. Et aujourd'hui, enfin, les gens non seulement s'expriment en son nom, mais elle aussi. Donc elle, c'est une nouvelle vie pour elle. Mais c'est un signe sur le fait que les textes ne sont pas adaptés et qu'aujourd'hui, on ne demande pas un permis de tuer, mais un permis de se défendre. Et tous les gens en sont conscients qu'elle s'est défendue pour vivre. La réaction de l'une des avocates de Jacqueline Sauvage au micro européen de Sandrine Prioul. Toujours pas d'accord entre les conducteurs de la ligne D du RER en région parisienne et la SNCF. Le trafic a été très perturbé aujourd'hui. Les agents exercent leur droit de retrait après l'agression de l'un d'entre eux mercredi dernier. Les discussions se poursuivent pour que le trafic reprenne lundi prochain normalement. Le sport, ce soir, c'est du handball avec le deuxième match du tour principal de l'Euro 2016 pour les Bleus et une victoire éclatante contre un sérieux client, la Croatie, battue 32-24 à Cracovie en Pologne. Les Français conservent donc de belles chances de qualification pour les demi-finales de la compétition. Ils ont gagné à l'expérience, nous dit leur sélectionneur Claude Onesta. Je pense que c'est un deuxième match enchaîné avec beaucoup de qualité, beaucoup de maîtrise, beaucoup de solidité défensive. Bon, on savait qu'ils jouaient très très bien ces Croates. Franchement, il y a des moments où vous regardez de la vidéo et vous trouvez que le handball, ça se joue bien et ça peut être beau. Et vraiment, c'était le sentiment que j'en avais. On a un peu misé sur le fait que c'est une équipe jeune. Ces jeunes joueurs, depuis qu'ils regardent des France-Croatie à la télévision, ils n'ont pas souvent vu leur équipe gagner. Et donc j'ai dit aux joueurs, si on arrive à les mettre dans le doute assez vite, ils risquent de baisser la tête parce qu'ils vont penser que la marche est trop haute. Je crois que ça s'est un peu passé comme ça. Donc je crois qu'on les a bien joués pour les faire craquer assez vite. Claude Onesta, le sélectionneur des handballeurs tricolores avec Christophe Lamarre pour Europe 1. Du foot également aujourd'hui avec la 22e journée de Ligue 1. Guingamp s'est imposé face à Bastia 1-0. Victoire de 3 à Lille 3-1. Victoire de Caen également à Montpellier 2-1. Nice bat Lorient sur ce même score. Match nul 2 partout entre Nantes et Bordeaux. Avant cela, le Paris Saint-Germain avait atomisé Angers. Score final 5-1. La météo de ce dimanche, elle s'annonce agréable avec du soleil sur les deux tiers sud dans la matinée jusqu'en Alsace. Un peu de grisaille et de pluie sur la Manche. Mais le beau temps devrait l'emporter dans l'après-midi. Midi. Les températures en début de journée, 1 degré à Strasbourg, 3 à Lyon, 6 à Lille et à Paris, 7 degrés à Bordeaux, 8 à Nice, 9 à Perpignan, 10 à Marseille et puis 12 enfin sur la pointe bretonne. Merci d'écouter Europe 1, il est minuit, tout juste 12 minutes, c'est la fin de ce journal, mais la libre antenne reprend dans un instant avec Sophie Peters. Très belle nuit à tous. Nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct, d'échange, de partage pour nous rendre la vie un peu plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 73921 en commençant par le mot « nuit » ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Corentin et Boris à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Coco.
vous êtes là, Coco. Je suis là. Oui, Coco, avec laquelle on était juste avant le journal. Oui. Et vous, vous interrogez sur un éventuel déménagement dans le midi, vers votre fille en région parisienne, alors que vous êtes dans le midi, où votre mari et votre fils sont enterrés. Vous êtes près de vos amis aussi, au soleil. Oui. Et donc, vous vous dites, alors est-ce que je voulais... Alors, il y a eu des messages arrivés pour vous pendant le journal. j'aime bien quand les auditeurs disent « Ah, mais oui, c'est vrai, on les attend, ces messages, parce que ça aide aussi et on se sent moins seul avec ces questions. » Oui, ça me paraît tellement insoluble que si quelqu'un pouvait me donner... Bien sûr, mais on est là pour en parler avec vous, Coco. Merci, alors, merci. Justement, il y a une auditrice qui dit « J'ai exactement la même interrogation. J'ai perdu mon grand amour qui était mon mari depuis 7 ans et mes enfants et petits-enfants, soit 500 kilomètres. Et mes 5 petits-enfants aussi, je ne me résous pas à quitter mes racines. » Alors, il y a d'autres auditeurs qui disent... Il y a Dominique qui pose une jolie question, qui dit, d'après elle, que lui aurait conseillé son mari s'il avait dû faire ce choix avec elle. Et là où elle ira, il ira aussi dans son cœur et il comprendra. Oui. Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il vous aurait conseillé s'il avait dû... Je ne peux pas parler à sa place. Non, mais... Du tout, ce que nous disions, nous, c'est que nous avions fait plus de la moitié de notre vie dans le midi. Oui. Et qu'il n'était pas question qu'on en bouge. Le pauvre, il ne savait pas qu'il allait tomber gravement malade comme ça, entre le matin et l'après-midi. Hein. Oui. Il a fallu que je l'amène aux urgences et malheureusement, il n'en est pas ressorti. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dirait? J'imagine, le connaissant, qu'il me dirait d'aller les rejoindre, d'aller rejoindre les enfants. Mais qu'est-ce qui plaide en faveur de les rejoindre dans votre vie à vous? Parce que moi, ce que j'ai entendu dans ce que vous c'est avez... C'est mon état de santé. Oui, c'est qu'ils puissent prendre soin de vous. Voilà, parce que là, vous voyez, actuellement, je suis dans un appartement que nous avions aménagé avant que je tombe malade, quelques mois avant. Oui. La même année, mais quelques mois avant. Et... il n'est pas totalement adapté pour mon état, d'une part. Et puis d'autre part, je ne peux bouger qu'avec ma voiture aménagée et mon fauteuil électrique maintenant. Oui. Donc c'est pas hyper pratique, je me débrouille. Mais c'est une maladie neuromusculaire, donc mes muscles, j'étais quelqu'un de très sportif, très sportive, j'ai de moins en moins de force. Donc, ça devient de plus en plus difficile, quoi. Et il m'est arrivé de me rendre aux urgences de l'hôpital en ayant préparé mon baluchon, descendre tant bien que mal et partir avec ma voiture, mon fauteuil, me garer sur la place handicapée et rentrer avec mon fauteuil, mon baluchon, quoi. Ah oui. Parce que vous n'avez pas des amis qui peuvent jouer justement le rôle, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas des amis très proches sur lesquels vous pouvez compter en cas d'urgence. Ils sont soit très occupés, soit eux-mêmes. J'ai perdu énormément d'amis, décédés. Et d'autre part, malheureusement, nous en avons perdu beaucoup, mais là, qui se sont éloignés au moment du décès de notre fils, puis j'en ai perdu d'autres au moment du décès de mon mari. C'est terrible, c'est comme si c'était contagieux. Le malheur fait peur, il éloigne. Terriblement. Oui, c'est vrai. Donc, au milieu de tout ça, je n'ai que des voisins qui sont adorables, qui sont gentils. Si je leur demande, ils vont le faire. Oui. Mais faut-il qu'ils soient disponibles? C'est ça. Faut-il qu'ils ne soient pas fatigués à ce moment-là? Alors des fois, puis j'ai un caractère, je suis très autonome dans ma tête, donc j'essaye de braver les difficultés tant que je peux, quoi. Hein. Oui. Donc voilà. En fait, ce qui vous chagrine peut-être le plus à l'idée de quitter de la région, c'est d'abord la région elle-même à laquelle vous êtes attaché, vos souvenirs, la présence de votre fils et de votre mari. Alors, il y a Clélia qui dit il existe des assurances décès comportant une clause de transfert du corps au lieu du décès au lieu souhaité de sépulture, je n'y bougerai pas.
Oui, oui. Il y a qui dit « je vous souhaite un long chemin de vie malgré vos épreuves », mais oui, je comprends que vous ne le souhaitiez pas. Oui. Oui, parce que mon fils, vous voyez, par exemple, juste avant qu'il décède, il est mort le soir de la fête de la musique. Voilà. Ouais. C'est une copine qui l'avait embarqué en voiture. Accident de voiture, donc. Ouais. Il avait quel âge ? 19 ans. Beau comme un dieu, il est parti à la fête de la musique. Ouais. Merveilleux, et puis... Bon, voilà. Et lui, il était rentré quelques jours avant d'un voyage en Allemagne. Il est revenu et puis chez nous, on avait une grande maison à l'époque et il sautait par-dessus la lavande. Oh, mes lavandes, mes lavandes. Ah, jamais je partirai de là. Oui. Donc, j'ai pas le cœur de le bouger. Oui, je comprends, Coco. Et en même temps, c'est vrai que, vous voyez, votre fille, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants maintenant, tout ça, c'est votre futur, c'est votre vie. C'est la chaleur, vous entendez bien avec eux. Et finalement, j'entends aussi que vous avez. Bon, vous avez des amis, mais pas super proches non plus. Et qu'après, voilà, votre fils et votre mari, c'est le passé et le présent dans votre cœur, mais c'est du passé. Donc, il y a quelque chose qui vous appelle auprès des vôtres. Et peut-être que c'est plus prudent aussi pour vous, en tenant compte de l'évolution de la maladie. Si je fonctionne avec la raison... Oui. Évidemment, oui. Ce que vous venez de dire est totalement, totalement vrai. Et avec maintenant, le cœur, alors c'est la région. Mais hein. Mon cœur, moi... Il appartient dans le sud. Vous savez, j'ai été obligée de vendre un cabanon que nous avions fait. Oui. Je peux pas dire où, mais oui. En montagne. En montagne, oui. Que nous avions construit de nos mains, ah, c'est formidable. Parce que je ne pouvais pas l'entretenir. Oui. Et là, j'avais des fleurs. J'adorais mes fleurs. Et bien, vous voyez, quand c'est une jeune plante qu'on déplante et qu'on transplante, elle reprend. C'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression d'être un vieil olivier. Oui. Il va falloir prendre très large autour. Oui, il faut prendre large pour le planter. Terre pour arriver à... Oui. Parce que peut-être je puisse reprendre sous un climat qui n'est pas du tout adapté pour moi. Oui, je comprends. Et c'est là que j'ai peur de... Oui, oui, je comprends bien ce que vous dites. Je suis sur le fil du rasoir, là, actuellement, psychologiquement parlant, parce que c'est très dur à vivre, ce que je viens de vivre, avec plein d'autres choses à l'arrière. Et là, j'ai peur. Parce que quand je reviens, par exemple, par le train... Quand je revois arriver ma contrée, le sud, ah, j'ai l'impression d'être une fleur à qui on donne de l'eau. J'ai l'impression que j'avais vécu pendant 15 jours, 3 semaines sans être arrosée, sans être... Ah, oui. Mais vraiment, ça me fait cette impression-là. Oui. Vous voyez, c'est... Oui. Alors, comment ça c'est très fort. Bah, comment alors faire que là-haut, j'ai des gros bisous, on me serre dans les bras et tout. Et comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'eux peuvent venir un peu plus souvent vous voir? Pas vraiment. Ma fille... Les vacances scolaires, je ne sais pas, non? Non, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent... Les périodes de vacances, descendre un week-end... Oh, ils vous manquent beaucoup quand vous êtes dans votre sud? Pas vraiment, non. Oui. Vous appelez, vous... Je sais, oui. Voilà, oui. Vous avez des nouvelles? Je sais fonctionner avec tous les systèmes. J'ai voulu apprendre d'ailleurs tous les systèmes qui me permettaient d'être en liaison avec eux. Et puis autant avec mon mari c'était pareil. Nous avions des heures que nous gardions chacun pour nous pour reprendre, nous ressourcer, à lire ou à faire. Se retrouvait à une certaine heure pour prendre le thé. C'était quelque chose de décidé entre vous. Oui, ça c'est une piste à donner à des couples un peu en panne là. Oui, c'est intéressant là. Au lieu d'être tout le temps l'un sur l'autre et d'être en train de Vous donniez rendez-vous. Oui. On se retrouve pour prendre l'apéritif en fin de journée. Non, c'était pour prendre le thé. Le thé, voilà, et puis, le thé. Donc après, on décidait de ce qu'on allait faire dans l'après-midi, enfin l'après-midi ou en soirée. Bon, il y avait une connivence comme ça et en même temps un respect du temps de l'autre qui
nous était réservé chacun de notre côté pendant 2 ou 3 heures en début d'après-midi de repos, de lecture. De... Mmh. On faisait ce qu'on avait envie chacun de notre côté. Ouais. C'était une manière de vivre. Oui, voilà. Des délicates mais entre vous, justement. Il me manque tellement, justement, ouais. Pour échanger, pour... C'est terrible. Alors, ce manque. Oui, alors ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vous avez pris cette très très belle image de l'olivier et oui. Aussi de ce ressenti très fort hein, que vous dites dans le train, je vois arriver, j'ai une plante qui a manqué d'eau. Vous me dites aussi que quand vous êtes dans votre région, vos proches, enfin votre famille ne vous manque pas, vous vous sentez relié à eux, ils sont là, oui. Et que vous êtes quand même très autonome, indépendante, vous arrivez encore, bon, mais est-ce qu'il y a urgence à prendre cette décision? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, un peu à la manière, vous savez, du principe bouddhiste, c'est quand on n'arrive pas à apporter une réponse à un problème sur le moment parce qu'il nous hante. Alors on est là, on pèse le pour et le contre, mais il n'y a rien qui se décide. De le laisser reposer, voilà, un peu voilà. Et que je me pose et que cette question s'est posée depuis. Est-ce qu'elle n'est pas trop tôt? Ben, peut-être, mais elle n'est pas encore en état d'être administrée d'une certaine manière. Quelquefois, c'est ce que j'ai à ma fille. Je dis bon, pour le moment, je n'ai pas le chemin. Oui, j'ai pas le chemin. Ouais. Donc, parce que effectivement, bon, je me suis tournée vers le bouddhisme il y a 30 ans. Mmh. Donc, je connais un petit peu. Mais bon, même l'impermanence, malheureusement, j'avais pas le décès de mon mari en prévision, vous voyez. Bien sûr. Bah oui, ça. Là, il m'a joué un salto. Oui. Tous les deux là-bas, quand je vais sur leur tombe. Pardonnez-moi l'expression, mais je les engueule. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah oui, j'ai besoin de vous. J'avais besoin de vous, moi. Pourquoi vous m'avez lâché? Vous m'avez lâché. Ouais. Mais effectivement, le chemin, j'ai pas la direction pour le moment. Ouais. Mais j'ai donc peur, il est urgent d'attendre. J'ai peur qu'à un moment, ça soit. Dans l'urgence. Oui, que ce soit dans l'urgence. Voilà, et que ce soit d'autres personnes qui sont obligées de s'occuper de faire mes paquets. Vous en avez parlé au médecin qui vous suit? Parce que ça aussi, c'est une indication. Ils n'ont pas le temps. Non. Ouais. Et je continue un petit travail avec un psy, avec un psychiatre. Oui. Le transfert ne se fait pas. J'ai eu, à un moment, au moment du décès de mon fils, quelqu'un d'une très, très, très grande qualité, mais qui a pris sa retraite, malheureusement. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un de cette qualité-là. Donc, je n'ai pas d'aide à proprement parler. Oui, je comprends. C'est pour ça que je comptais sur vous un petit peu. Puis le groupe. Alors, je ne sais pas si on arrive comme ça à déblayer ensemble le chemin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, ce que j'entends, c'est surtout que vous n'êtes pas prête à décider. Et du coup, vous vous obligez à décider. Oui. Bien sûr, avec, comme vous dites, il y a cette histoire de raison, mais le cœur n'y est pas. Et si je reprends votre image de l'olivier, sans le cœur, vous avez l'air d'être une femme de cœur, enfin une grande affective. Et donc vous savez que votre nourriture, elle est là, elle est dans l'affect, et que vous allez peut-être vous en priver, en tout cas. Enfin, c'est ce que vous avez l'air de dire. Moi, je vous renvoie ce que vous êtes en train de dire. Il y a Aurore qui suggère quelque chose d'intéressant, qui dit pourquoi pas un compromis, 6 mois l'été en région parisienne, 6 mois l'hiver dans le sud, avec un petit logement loué quand vous n'y êtes pas pour moindre frais. J'y ai songé. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup de frais. C'est surtout, c'est surtout la région parisienne qui est très chère. Oui, qui est très chère. C'est ce qui m'a fait reculer. Mais vous pourriez effectivement, du coup, louer peut-être 6 mois par an votre logement du Sud à ce moment-là. Ça me dirait. Oui, ça vous ça dirait dit rien. Ouais. Et alors, Karemka qui dit pourquoi pas aménager votre vie en fonction de votre état de santé avec les aides nécessaires et rester là où vous êtes bien. J'ai 2 personnes qui viennent chacune 2h30 par semaine. J'ai 5 heures d'aide par semaine. Puis je ne me vois pas avec quelqu'un à domicile pour l'instant. Bon, mais ça devient difficile, vous voyez, pour porter un ustensile de cuisine. Ça devient difficile. Je mesure quand même que mon autonomie régresse terriblement. Et je suis dans un drôle de... Vous avez peur que le manque d'autonomie arrive plus vite que vous l'imaginez. Et que ce soit trop tard. C'est pour ça que la question vous hante, en fait. Oui, c'est ça. Exactement, vous avez très très bien résumé la chose.
Oui, donc prudence et mère de sûreté. Oui. Parce que là, du coup, c'est vrai que si vous passez vous franchissez une ligne, vous risquez, alors si je reprends toujours votre image de l'arbre, prendre racine sera plus compliqué dans l'urgence. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous aiderait à vous raisonner, à entendre cette raison-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle ou qui vous attire dans ce choix autre, voyez, que la raison, qui aiderait à faire cheminer la raison? Peut-être ce temps de prendre des marques ailleurs. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Tout au moins, moi, je l'ai interprétée comme ça. Il y a, mon arrière-petit-fils, donc, qui a 10 mois maintenant, que j'aurais envie de voir grandir, d'être plus proche, d'établir un contact plus chaleureux, parce que bon, si j'y manque tous les 3 mois, on va pas se connaître vraiment. C'est vrai. Pas autant. Donc oui, ça serait lui qui. Et peut-être que vous minimisez votre rôle effectivement de grand-mère. C'est quoi? C'est des grands ados? Ils ont quel âge? Oh là, ils sont 25 et 23 ans. Oui, mais un âge où on aime bien échanger avec des figures de référence de notre histoire. Donc c'est peut-être le moment, parce qu'il y a un auditeur qui dit, et là je partage entièrement son avis, ce serait une nouvelle étape de vie. Si vous considérez que c'est une autre étape de vie, ça n'enlève rien. Bien sûr, il y a une perte, mais il y a déjà la perte de votre mari. Vous êtes dans cette perte. Et ça, vous n'allez pas l'enlever. Mais vous allez vers quelque chose de plein aussi. Et vous le décrivez très bien dans la relation avec ces petits-enfants qui, peut-être, vous allez être étonnés, en région parisienne, vont débarquer à l'improviste, prendre le thé, ou en tout cas, passer vous embrasser, discuter d'un sujet. J'ai l'impression que vous êtes une femme de lien, vous êtes par votre métier de thérapeute très à l'écoute, et vous savez l'être. Et donc, vous pouvez aussi beaucoup apporter à ces jeunes qui ont besoin d'être écoutés aujourd'hui. Ça, de ce point de vue-là, certainement. Mais je suis très égoïste en disant que vais-je avoir en retour qui va être suffisamment fort pour compenser. Ça, justement, cet échange-là. Je sais pas. Pas sûr, ouais. Je sais pas, c'est pas sûr. Parce que vous voyez, vous me parlez de votre métier de thérapeute et l'échange que vous avez. Vous étiez dans la vie d'un échange. Là, vous allez retrouver un giron familial dans lequel de nouveaux échanges vont se créer. Comme vous dites, il est temps de mieux les connaître, de mieux. Et vous êtes assez ouverte, ils vont peut-être trouver chez vous une parole, une écoute plutôt. Et à la fois une parole et une écoute, comme vous le savez, qui connaissent pas, qui viennent quand même de leur grand-mère et qui vont être heureux, et ça va vous donner aussi du sens à votre trajet de vie après celui que vous avez fait avec votre mari et votre fils, un nouveau trajet en somme. Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, il y a Monique qui est là et qui aimerait échanger avec vous, parce qu'elle a vécu, elle a perdu son mari, et après la mort de son mari, elle a déménagé pour se rapprocher de ses enfants. Vous êtes là, Monique? Oui, je suis là. Oui, merci de nous appeler. Alors, justement, comment vous avez pris cette décision et comment vous l'avez vécu et vous la vivez aujourd'hui? Écoutez, j'ai 81 ans. Oui. Et j'ai vécu 74 ans dans la région parisienne. Et je suis venue dans le Midi, près d'une de mes filles. J'ai 5 enfants, mais j'avais beaucoup d'amis dans la région parisienne. J'ai travaillé et tout. J'étais dans un, mais je me suis quand même rapprochée. J'ai eu un infarctus après la mort de mon mari. C'est mes amis qui m'ont rendu très service, qui se sont occupés de venir me voir. Mes enfants étaient loin. Et là, j'ai été un peu très, très, très
C'est difficile. J'étais très reconnaissante vis-à-vis de tout le monde, mais je trouve que c'est quand même, quand on est malade et tout, vous êtes à l'hôpital, vous avez une chose, vous êtes toute seule, alors que vous avez des enfants. Mmh. Et mes enfants eux-mêmes étaient ennuyés. Un peu malheureux, d'être loin. Je n'ai jamais regretté. Ça a été un peu dur de déménager à 74 ans. Maintenant, ça fait, j'ai 81 ans, je me suis habituée à la région du Midi. C'est vrai qu'il y a le soleil qui est pour aider. Mais je pense que maintenant, ça aide quand même à tourner quand même la page pour le deuil, pour mon mari. Si vous voulez que vous quittez quelque chose, vous êtes obligé de tourner une page et aller vers l'avant, si vous voulez. Puis comme, avec les ennuis de santé, on devient de plus en plus fragile et on trouve ça, on est de plus en plus reconnaissante quand un enfant est gentil avec nous et quand plus proche de nos enfants et que ça passe quand même avant les amis, bien que les amis ce soit. Et quand on est, je suis assez sociable et j'ai quand même maintenant, malgré mon âge, que je trouve des gens gentils et je me refais des amis quand même ici. Mais je trouve que j'ai jamais regretté d'avoir me déménagé. Parce que ça aide à tourner la page. Oui, c'est juste. Ouais. Et puis, mon mari, de toute façon, il est avec moi par la pensée, par ses livres, par tout ce qu'il est. Oui, c'est ce que dit Clélia. Et c'est pas d'aller au cimetière, je vais jamais au cimetière. Et je trouve que je suis contente quand j'ai un pépin. Mes enfants, je suis très indépendante par rapport à mes enfants, mais je suis psychologiquement contente de ne pas être loin et s'il y a quelque chose, ils viennent. Oui, vous savez que vous pouvez compter sur eux, que vous ne les dérangerez pas parce qu'ils sont heureux d'être là pour vous. Ce n'est pas comme des amis. Je ne suis pas envahissante et j'essaye d'être le plus indépendante possible. Et ça, ils le savent. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, ils accourent. Et Monique, finalement, plus que... bien sûr, vous dites, j'ai trouvé le soleil du Sud. Donc, c'est vrai que ça, pour Coco à entendre, elle dit, moi, c'est ça que je vais quitter. Mais j'ai l'impression que plus que le soleil du Sud, c'est effectivement le rapprochement avec vos enfants. Voilà. Et cette chaleur-là, la chaleur des liens que vous avez trouvé, peut-être redécouvert, qui a été le plus précieux. Plus on attend, plus c'est difficile. Ouais. Voilà. Alors, je pense que si cette dame, j'ai entendu qu'elle avait 66 ans, et qu'elle est sociable, et qu'elle est médecin, thérapeute et tout, elle se fera une autre vie. Et elle trouvera là où elle est, elle aura à la fois ses enfants et se fera pas, même si elle n'est pas chez eux et qu'elle n'est pas tout, mais si vous voulez, elle aura à la fois la famille, elle se créera de nouveaux amis à 66 ans, on peut, parce que c'est ça qui est difficile quand même, parce que les gens ont leur vie. Et puis ça fait pas du jour au lendemain, mais là moi je me suis fait aimer. Il y a des gens très très gentils que j'ai découverts et des voisins, je suis dans un immeuble et finalement, j'ai des amis quand même. C'est pas des amis, j'ai des gens gentils et je suis pas seule. Et puis il y a des activités, il y a des choses, il y a des... Oui, justement, en termes d'activités, en écoutant Monique, je pensais, Coco, qu'avec votre discipline, votre spécialité de thérapeute de couple, vous pourriez trouver en région parisienne des groupes d'échange, peut-être de travail, enfin, reprendre une forme d'activité, en tout cas intellectuelle, vous intéresser, ce sera riche pour vous. Et si on attend trop longtemps, plus on attend, plus c'est difficile de déménager. Je suis tout à fait d'accord avec vos raisonnements à toutes les deux. J'y avais songé à ça. Je demandais à ma fille, d'ailleurs, et puis à des amis à elle, les différentes villes qui sont autour de chez elle. Oui. Parce que dans la région parisienne, les villes ne sont pas distinctes véritablement. Elles sont toutes accolées, plus ou moins. Donc, savoir laquelle... Je peux vous dire où il y avait le plus d'activité, d'association. Moi, je peux vous dire que dans la région parisienne, il n'y avait pas le soleil, mais il y avait un réseau d'amitié terrible, si vous voulez. On ne peut pas les échanger. Pour vous dire, j'étais assez
Cergy, Pontoise, c'est une ville nouvelle. Eh bien voilà, écoutez, j'avais envisagé justement de... J'étais allée voir des appartements par là-bas. Par là, ouais. Du côté de Cergy. Merci beaucoup. Je peux vous dire qu'au oui. point de vue humain et tout, il y a des tas de possibilités, si vous voulez. Oui, puis je pense que ce sera assez riche aussi, voilà, intellectuellement, en termes d'échanges, de rencontres. Ouais. Oui. Monique, merci beaucoup voilà. de nous avoir appelé ce soir pour Coco. J'en profite pour vous faire vraiment des compliments. Sophie, je vous écoute depuis justement, je me moquais un peu de mon mari quand il vous écoutait de son vivant, il est mort il y a 12 ans. Oui. J'étais tellement dans la vie, dans les occupations, dans tout ce que j'avais à faire parce qu'il était malade que je disais qu'il perdait son temps d'écouter des choses comme ça alors qu'il a fait la vie. Et maintenant j'écoute depuis sa mort, j'écoute tous les soirs, je vous entends et Sophie, vous êtes particulièrement réconfortante. Ah ben c'est adorable, voilà, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, merci Monique. Bon courage à cette merci, dame. Merci à vous. Merci Monique. Merci. Au revoir Monique. Au revoir. Eh bien, Coco, je ne sais pas si notre échange et l'échange avec Monique a un peu éclairci et sorti de votre confusion. Moi, j'ai le sentiment que plus que cette histoire de raison, oui, il y a ce désir qui n'est pas encore là. Peut-être parce que vous vous dites trop que c'est raisonnable et que ça gomme un peu l'envie. Vous voyez, c'est que vous êtes aujourd'hui dans une façon d'observer votre situation qui est de vous dire oui, alors la raison me dit que d'aller, mais j'ai pas envie d'écouter la raison parce qu'il y a mon sud, etc. Vous mettez plein d'affect, bien sûr, hein, dans votre région, il y a cette perte. Mais mettre beaucoup de raisons et vous abriter derrière la maladie en disant c'est raisonnable parce que l'avenir... Vous vous enlevez de l'envie, du désir, de la joie de découverte, un après, des pages qui se tournent, quelque chose qui avance. Et vous ne voyez plus que la perte, du coup. Je ne sais pas, parce qu'en fait, la région parisienne, je n'ai jamais aimé. Oui, vous dites ça, on est en plein Paris. C'est vrai, c'est bah oui, mais évidemment, c'est ce que disent les auditeurs là. Je comprends tellement. Il y a un auditeur, votre attachement au sud, au sud-ouest, dans mon cas, le soleil, la chaleur, la détente, les fleurs qui chantent, tout comme les mots avec l'accent qui s'y trouve. Oui, bien sûr, ce serait difficile à quitter, mais encore une fois, oui, c'est un environnement, c'est toute une vie. Mais la vie est un changement continuel. Elle nous apprend, sont les saisons. Et vous avez raison, ok, c'est pas folichon, je vais pas vous vanter l'intérêt des embouteillages, des gens de mauvaise humeur, du froid, de la pluie, enfin, je peux pas vous vanter ça, mais je peux vous dire plein d'autres choses d'une autre vie, et surtout, pour moi, vous avez dit la raison principale qui pourrait vous faire aussi avancer, vous dites vous êtes toujours en travail sur vous, et je trouve ça très touchant ce que vous nous confiez. Je pense que le lien avec vos petits-enfants qui ont entre 20 et 25 ans peuvent vous amener quelque chose sur vous-même d'excessivement riche. Et peut-être même que, et là je me permets une petite incursion un peu psychanalytique sur vous, que peut-être que ça vous fait un peu peur, ça va vous renvoyer à votre fils de 20 ans. Et ça peut être un peu compliqué. Peut-être, je dis peut-être. Mm-hmm. Oui. Mais on ne sait pas ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas. Parce que vos petits-enfants ont l'âge de votre fils quand il est parti. C'est vrai que quelquefois, mon petit-fils... Et c'est douloureux, ça. J'ai la sensation que... je crois à la réincarnation. Oui. Et quelquefois, quand je vois mon petit-fils qui a 20... attends, je ne sais plus où j'en suis, là. 24 ans maintenant. Oui. Bientôt 24 ans, oui. J'ai l'impression de revoir mon fils. Bien sûr. Par certains côtés, par certaines, certaines analyses. Je comprends. Mais lui, il est là. Il est dans la vie. Oui. Et lui, il a, entre guillemets, besoin de vous. En tout cas, il sera heureux de vous avoir un peu plus dans sa vie. Oui, je pense. Vous allez être, entre guillemets, utile. Et c'est important, ça, d'être utile à ceux qu'on aime. Enfin, être dans cet amour-là. Donc je crois que voilà, on va vous laisser mûrir tout ça. Il y a Libellule hein, qui dit une décision, c'est comme lorsqu'on cuisine un bon petit plat, faut laisser mijoter. J'aime bien l'image. Et puis Alima qui vous dit vous pourrez être le soleil avec votre côté sociable en région parisienne, ça peut le faire, dit Alima, ça peut le faire. Vous êtes tous adorables, c'est bon, gentil. J'espère qu'on a un peu éclairci votre chemin. Tenez-nous au courant, Coco.
D'accord, hein, d'accord. Si vous bougez, la décision que vous avez prise, maintenant qu'on vous connaît, qu'on a créé du lien avec vous, je pense que, voilà, moi, les auditeurs, vraiment, on sera heureux de savoir ce que vous allez décider. Je faisais juste une parenthèse par rapport à ce que venait de dire Monique. Oui. C'est que moi, ma profession, je l'ai choisie en écoutant Ménie Grégoire. Ah, c'est merveilleux. Depuis 1967, oui. Je l'écoutais tout le temps parce que on n'avait pas de gros moyens, on avait un peu de radio et c'est tout. Et je l'écoutais et c'est ça qui a fait mon cheminement pour devenir... Ça me touche beaucoup que vous la citiez. Elle est décédée en août 2014. Oui. J'étais à l'antenne d'Europe 1 et on m'avait invitée au JT de France 3 pour parler d'elle. Et moi, mes parents, en fait, vous voyez, l'écoutaient. Et donc, pour moi, c'était des souvenirs d'enfance. Et je me suis plongée dans des documents INA. J'ai un peu regardé tout son parcours et j'avoue que j'étais impressionnée. C'était une femme étonnante qui a fait un magnifique parcours en psychanalyse, sur le tard d'ailleurs, parce qu'elle est rentrée en radio à 48 ans et elle est restée 15 ans en radio Jean, à écouter. Avec Jean Bardin. Exactement. Et j'ai eu la chance de la rencontrer fortuitement. Un jour à Paris où j'étais pas malade à cette époque-là, et j'étais à une expo au Gauguin, et je l'ai aperçue assise, et je me suis permis de m'avancer vers elle en lui demandant l'autorisation de lui parler. J'ai pu échanger 5 minutes avec elle, et ça m'avait réchauffé le cœur, ça m'avait fait un bien fou. Oui, c'était une grande dame. Oui, je suis contente que vous lui rendiez hommage ce soir. Merci que vous ayez pris la relève, vous êtes vraiment des avec Caroline. Avec Caroline, oui. Voilà, on est les Carolines. Les Carolines. On est les dignes héritières, de Ménie Grégoire à la radio et bon courage, et c'est un grand bonheur. Merci à vous. Vous aidez beaucoup. Merci Coco. Merci. Je reprendrai contact. Oui, vous nous donnerez des nouvelles. Au revoir, merci Coco. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Péter sur Europe 1, 39-21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do? Le grand Ray Charles, it's the road, Jack. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Maggie. Oui, bonsoir. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, merci de m'accueillir. Je vous appelle parce que en fait j'ai un problème avec mon frère depuis un petit moment. Oui. Et je m'occupe de lui. Et je m'occupe de lui depuis un bon moment, depuis 3-4 ans, enfin depuis toute ma vie déjà, mais parce qu'on a un an d'écart. Mais il est malade
Et il fait des crises d'épilepsie, il a été à l'hôpital psychiatrique, et il a... Et j'ai tout fait pour lui, je l'ai réaménagé, enfin il y a beaucoup de choses quoi en fait à dire. Mais parce qu'en fait, Maggie, expliquez-nous, vous avez donc perdu vos parents, il a quel âge votre frère, vous avez quel âge? Donc moi j'ai 47 ans, oui. Mon frère a 46 ans. Oui. Et mon frère, là, il faut que je m'en occupe, en fait, tout le temps. Vos parents sont plus là, donc? Si, j'ai ma mère. Si, donc ma mère et moi, on s'en occupe. Depuis lui... des années, si je comprends ouais, bien. Voilà. Depuis des années. Parce qu'il est épileptique depuis... Enfin, il est malade au point de ne pas pouvoir être autonome, il a... Une... Bah, il sait... Après, ouais, l'histoire est longue, un peu. Ouais, allez-y, on est là pour ça. En fait, il a été musicien. Ouais. Donc quoi, vers 20 ans, il s'est lancé dans la musique. Ouais, quoi. Voilà, vers 20 ans. Bah, un très bon musicien. Donc, ouais. Il s'est lancé dans la musique. Après, il a lâché... enfin, le rock'n'roll l'a lâché un peu, quoi. Ouais. Donc... voilà, après il s'est mis en couple, il a eu un fils, donc tout ça allait pas trop mal, mais après, bon ben, tout ça, il y a eu l'alcool, la drogue, tout ouais, ça. Ouais. Et moi, je l'ai récupéré un peu, je l'ai récupéré mort, quoi. Il était mort, quoi. Ouais, mort ouais. Chez lui. Ah, chez lui. Ah non, presque mort. Hein. Ouais. Presque mort, donc. Et là, il avait. Enfin, c'était quand? Il avait quel âge? Bah, c'était il y a 3 ans, quoi. Ah, il y a 3 ans. Donc, il s'est mis lui-même, en fait, en... Bah, il ne mangeait plus, il se... Oh, il s'est détruit, quoi. Il s'est détruit. Il s'est détruit. Donc, je l'ai récupéré détruit. Je l'ai remis sur de bonnes bases. Ouais. J'ai tout déménagé son appartement. Je l'ai remis près de chez moi, près de ma mère, près de tout le monde. Il était loin avant de vous, vous l'avez non, pas vu. Pas très loin, mais j'y allais toutes les semaines, hein, mais je le voyais ouais. Mourir petit à petit. Hein, mais... Ah oui, vous le voyez se détruire, mais vous pouviez pas accéder, il vous entendait voilà, pas. Il voulait pas que je le non. sauve, quoi. Ouais, mais... ouais. Et puis à un moment, bah, c'est lui qui a été chez le médecin. Enfin, c'est lui qui a été chez le médecin. Et le médecin ouais. a appelé Samu en disant. Ouais. Voilà, il fallait que ce soit lui qui aille. Oui, bien sûr. Et voilà, donc je l'ai sauvé un peu de ça, et là je l'ai sauvé, je l'ai ramené près de chez moi, et là il est près de chez moi, et je l'ai vu ce matin, et ça recommence comme avant, quoi. C'est-à-dire, comme avant, il détruit de nouveau, il... Ouais, voilà, il détruit son appartement, il détruit... Ah oui, il va vraiment pas bien. Il est suivi en psychiatrie, il voit quelqu'un ? Bah oui, il est suivi, je le suis... Non, mais c'est pas à vous de le suivre. Hein. Oui. Maggie, vous voyez, c'est ce qu'il il a un vrai ouais. suivi thérapeutique. En psychiatrie, non, il veut pas. Bah voilà. Il veut voir un thérapeute. Il a été 4 mois en hôpital psychiatrique. Oui, oui. On l'a fait interner, moi et ma mère. Oui, bah oui, vous avez bien fait. Hein, pour, on a été obligés, ouais. Bien sûr. Et est-ce que là, il a été accompagné vous voyez, après, là, il a gardé... bien accompagné, ouais. Oui, et ça l'a aidé, tout d'un coup, il a pris conscience. Ça l'a beaucoup aidé, ouais, il a été très très bien, et là... Il replonge tout seul. Là, il replonge, là. Parce qu'il est... Parce que dès qu'il est livré à lui-même, il replonge. Voilà. Ouais. Ouais. Il suit plus le traitement, il va plus consulter, qu'est-ce qu'il... Si, il suit, mais moi, du coup, je l'ai plus suivi, parce que moi, j'ai dû avoir une opération, donc pendant 2 mois, j'étais pas là. Et pendant 2 mois, ben, je l'ai un peu lâché, quoi. Oui. Bah oui, pour vous occuper et de vous. Et là, je suis allée ce matin, et du coup, bon, j'ai vu son appartement, c'est redevenu une saleté, pas possible. Parce que c'est moi qui fais le ménage. Oui, oui. Et là, du coup, j'ai peur, quoi. Enfin, je me bah dis, oui, il vous dites c'est sans fin, dedans, quoi. Quoi et... Oui, vous perdez espoir. Vous êtes seule avec et votre maman est assez enfin un peu âgée j'imagine elle peut pas porter ça non plus ouais, voilà. toute seule donc vous avez maman, d'autres membres de la famille d'autres gens autour de vous non plus non. votre papa non on n'a plus le papa non plus Est-ce que vous pourriez aller demander un avis au psy donc, qui le suit j'avais fait oui. une demande de tutelle oui ce serait bien ouais je l'avais fait le mettre sous curatelle quand ouais. il était ouais. Quand il était à l'hôpital psychiatrique. Oui. Mais après, j'avais abandonné parce qu'il allait bien.
Ben oui, mais là, j'avais arrêté ce truc-là. Mmh. Je me suis dit, oui, non, je comprends. Je vais gérer. Oui. C'est moi qui vais gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une discussion cohérente avec lui? Vous avez le sentiment qu'il a... Qu'est-ce qu'il a comme conscience de ce qu'il vit, d'après vous? Et quels sont les propos qu'il vous tient? Il revit. C'est comme s'il revivait. Donc, il se lâche, il est content. Il fait plein de trucs, mais du coup... Ah, mais quoi? Ça vous inquiète, alors? Il revit, c'est-à-dire il est dans mais la il vie. Il revit, il fait plein de trucs à côté, mais à côté, son appart est dégueulasse. Oui, ok, mais voilà. Il travaille, il est autonome, mais vous le sentez? Non. Non, il a la location adulte handicapé parce qu'il était tombé sur la tête, donc il a une. Non, il ne peut pas se gérer tout seul, quoi. Il ne peut pas se gérer tout seul? Non. On a essayé de le gérer tout seul, mais voilà. Quand vous dites se gérer tout seul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas quoi faire ses soins de première nécessité, se nourrir, se vêtir, se laver. Si, ça, il tout se ça. Nourrit, se oui, vêtit, oui. Tout ça. Mais alors, à côté, l'administratif, il gère tout pas ça. Son appartement, il ne gère pas ses factures, il ne gère pas ses papiers. D'accord. Oui. D'où l'idée de la tutelle. Mais je pense que c'est ça que vous allez devoir faire, Maggie, parce que... J'en ai parlé avec ma mère aujourd'hui, ouais, parce que là, ce matin, il ne m'a pas accueillie avec des... Ah oui. Parce que là, du coup, moi, depuis un mois et demi... Est-ce que vous avez des enfants? Vous avez une famille? Non. Non, vous êtes seule, ouais. Ouais. Et vous sentez que ce frère que vous portez quand même depuis maintenant trois ans... Comme mon frère jumeau, quoi. Il a 46 ans, j'en ai 47. Est-ce que la tutelle pour vous serait un moyen d'être aidé, d'être un peu soulagé? Oui, dans mais cette j'avais peur de le mettre sous tutelle parce que je me suis dit il va être bridé sous certains côtés, sur l'argent, sur des choses. Oui, alors est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, effectivement, parce que un peu, enfin, oui, de ne pas le diminuer? Vous craignez de le diminuer? Est-ce que vous pouvez en parler avec lui? Est-ce qu'il peut le comprendre? En fait, il n'accepte pas, quoi. J'ai peur qu'il n'accepte pas. Oui, ben, c'est sûr. Parce que je veux lui proposer ça, c'est clair, mais j'ai peur qu'il accepte pas. Est-ce que vous croyez qu'il est en état psychologique de discuter avec lui de son avenir, de la façon dont ça se passe, de vous, de la responsabilité que vous avez, que vous voyez, est-ce que si vous avez ce genre de discussion, est-ce qu'il vous suit dans la discussion ou pas? Ben là, il a du mal. C'est-à-dire, c'est confus. J'ai été pas mal, j'ai été oui. bien, et puis là, du coup, avec mon opération, je l'ai pas suivi pendant un mois, et là. Quand vous dites il a du mal, c'est confus quand il parle? Est-ce que vous pouvez me parler de ses symptômes? Il s'énerve. Donc il veut pas... Il vient plus dans ma vie. Il me dit, viens plus gérer ma vie. C'est bon, j'ai 46 ans, je peux me débrouiller tout seul. Alors, je lui dis, ben non, tu peux pas te débrouiller tout seul. Parce que? Qu'est-ce qui se passe? Ça se voit, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ton appartement, c'est pas possible. Bon, il y a la saleté, mais indépendamment de la saleté qui est un laisser-aller, une non-gestion, il est en danger aussi sur un plan administratif des comptes. Il a pas bu pendant. Il a repris l'alcool. Il a repris l'alcool. Oui. Ouais. Parce que là, j'ai trouvé des bouteilles, tout ça. C'est pour ça que ce matin, ça a été une catastrophe, quoi. Oui, donc il se détruit à nouveau, il doit être dans la honte. Et c'est pour ça qu'il est violent, enfin agressif avec vous. Je pense que ouais, il est honteux. Oui, il est honteux, bien sûr. Il sait. Mais son appartement, j'ai. Oui, mais il sait, Maggie, il sait très bien tout ce que vous faites pour lui. Il en a tout à fait conscience. Et il sait, bien sûr, toute la présence et l'attention que vous lui portez. Parce que moi, je faisais son ménage toutes les semaines et tout. Ouais. Et puis là, du coup, avec mon opération, je ne suis pas allée pendant un mois. Donc, pendant un mois, il n'a rien fait, quoi. Alors que je l'appelais toutes les semaines. Je dis, tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Il me dit, oui. Il y a un auditeur qui dit, j'ai un grand ami malade alcoolique qui était aussi dans cette saleté du ouais. logement et qui est assez interpellé par votre témoignage ouais. et il n'a jamais accepté sa mise en curatelle, dit cet auditeur. Et je pense qu'il n'acceptera pas. Hein. Voilà, et sa réaction, voilà,
le fait penser à lui. Moi, ce qui me semble important, Maggie, c'est d'avoir un avis du psychiatre qu'il a suivi. De retournez-vous, si vous pouvez, consulter là où il est hospitalisé, pour en discuter avec des spécialistes, soit le remettre, qu'il aille de nouveau faire un... Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il aille de nouveau à l'hôpital. Le psychiatre et que le neurologue. Oui, mais ce serait mieux qu'il aille peut-être de nouveau passer quelque temps en hôpital psychiatrique où on pourrait l'aider à arrêter l'alcool, où il serait dans du soin, que la curatelle qui est effectivement psychologiquement excessivement dégradant s'il en a conscience. Rien, oui, donc ça pourrait le soigner, hein, c'est du soin d'être à l'hôpital. Je lâche, moi, ben voilà, je l'ai laissé un mois, ça y est. Mais peut-être qu'il est resté pas assez longtemps à l'hôpital pour reprendre pied. Parce que y a Yvan qui dit vous pouvez voir la tutelle, mais seul un juge décidera. Et votre frère est majeur. Ouais, voilà, moi j'avais mis en tutelle, mais après j'ai abandonné. Moi, je pense que c'est m'occuper de lui, mais c'est pas une décision que vous pouvez prendre comme ça toute seule, juste en raisonnant. Et je ne vous conseille pas de la prendre. Il faut que vous ayez un avis médical, de thérapeute et de l'équipe qui l'a suivi. Il y a un auditeur qui dit vous pouvez aussi être sa tutrice. Vous n'êtes pas obligé que ce soit un tiers. Ouais, c'est ce que j'avais proposé, mais c'est difficile parce qu'on a des relations tellement. Oui, je pense que ça va compliquer. Ça peut compliquer le lien et vous en vouloir. Il m'avait dit ça va compliquer parce que vous êtes trop proches, quoi. Donc il va vous demander des trucs. Ouais, je comprends, Maggie. Moi, vraiment, je vous conseille d'aller voir l'équipe qui l'a soigné et d'avoir un avis médical avant de prendre une décision aussi majeure, qui sera compliquée à... Donc, vous ne pouvez pas rester seule avec cette décision. C'est cet avis. Bon courage à vous, Maggie. Hein, okay, et merci de nous avoir appelés. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit à tous et à toutes. On se retrouve demain soir 23h. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas pour l'écoute de Sortez du cadre. À demain. Bonne nuit.